Merci, la séance est ouverte, je vous en prie, asseyez-vous. J'informe l'Assemblée que la présidente a pris acte hier à 21h01 du dépôt par Mme Mathilde Panot et 74 députés d'une motion de censure en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la Première ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur l'adoption en nouvelle lecture de la troisième partie et de l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. L'ordre du jour aujourd'hui appelle le débat sur le thème « Le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, l'action de l'État face aux nécessaires réparations ». Ce débat a été demandé par le groupe GDR. À la demande de ce dernier, il se tient en salle Lamartine, afin que des personnalités extérieures que nous allons accueillir puissent être interrogées. La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en deux parties. Nous allons commencer par une table ronde avec des personnalités invitées qui seront entendues à titre exceptionnel en visioconférence, car elles résident évidemment en... Puis nous procéderons, après avoir entendu une intervention liminaire du gouvernement, à une nouvelle séquence de questions-réponses d'une durée d'une heure également. La durée des questions et des réponses sera limitée à 2 minutes sans droit de réplique. Nous allons donc commencer la première phase du débat. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue aux députés présents, bienvenue aux invités à cette table ronde. Je vois que nos trois invités sont connectés. Je les salue. Agricole contaminée, monsieur Yvon Cernus, qui va pouvoir nous faire sa présentation, son exposé, pendant 5 minutes. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Bonjour, monsieur le député. Nous saluons les participants de cette visioconférence et nous, notre collectif, remercie le député Marcelin Nadeau de nous donner l'opportunité de faire entendre la voix des ouvrières agricoles et des ouvrières agricoles, nous, que nous pourrions représenter. Nous soutenons la démarche visant à faire voter une loi programme visant à apporter des réponses conséquentes à l'empoisonnement des femmes, des hommes et de l'environnement de notre pays. Nous disons, en effet, qu'il appartient à l'État qui a reconnu sa part de responsabilité dans le scandale du chlordécone de faire voter une telle loi globale qui permettrait de remédier à tous les effets nocifs de l'épandage des produits toxiques en question et d'indemniser, je viens de courir là puisque j'étais pas connecté, et d'indemniser les victimes de l'empoisonnement. Nous pensons également que tous ceux qui ont contribué à l'empoisonnement et dont la responsabilité n'a pas encore été retenue doivent être associés aux réparations et que cela doit être spécifié dans le cadre de la loi programme. Représenter les ouvriers agricoles et les ouvriers agricoles qui ont été en première ligne dans l'épandage, souvent à main nue et sous la contrainte portant de leurs revendications élaborées après une enquête de terrain auprès de 1500 ouvriers agricoles et leurs descendants. Nous estimons devoir être à côté des élus représentant la population martiniquaise associés à la définition de l'objectif et des moyens qui seraient portés par la loi programme. Le collectif a réalisé une pétition de 7420 signataires attestée par les
un huissier de justice. Les pétitionnaires ont exprimé l'urgence de la loi. En amont de celle-ci, notre collectif insiste sur la nécessité de que de mesures d'urgence soient prises pour dépister, soigner les personnes empoisonnées par ou la chlordécone ou le chlordécone. C'est des milliers d'entre elles souffrant de lourdes pathologies non inscrites au tableau de maladies professionnelles et du fait des conditions de travail qui ont été les leurs avec des revenus dérisoires. Ces ouvriers ont eu, sont tous et tout en dessous du seuil de pauvreté avec la retraite, puisque ce sont des ouvriers qui ont travaillé plus de 40 ans sur les exploitations de bananes et aujourd'hui, leur moyenne de retraite varie entre 600 euros de retraite. Ces mesures devraient concerner un dépistage massif, systématique, voire obligatoire, des taux de pesticides dans le sang, des moyens de lancer une enquête épidémiologique et spécifique aux travailleurs agricoles, le renforcement de l'unité spécialisée mise en place au CHU de Fort-de-France, dirigée par le professeur Dabor Rizière. Nous considérons comme une injustice flagrante le refus de déployer des moyens aussi importants que ceux mis en œuvre dans le scandale de l'amiante. Nous attendons donc une situation de soutien massif de la loi programme conséquente de la part de tous les élus et tous les parlementaires qui reconnaissent la justesse de la cause que nous défendons, celle de la justice et des réparations. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le président du collectif, Yvon Cérilus, et puis je m'en excuse puisque je n'arrivais pas à me connecter, ça m'a pris une course folle pour y arriver. Non. Merci. Et puis je suis à la disposition de... Monsieur le Président, je vous ai laissé conclure votre propos en laissant une minute supplémentaire. J'invite nos intervenants à rester dans le cadre des cinq minutes pour que chacun puisse s'exprimer comme il le faut et que l'échange ensuite de questions et réponses se fasse. Merci, Monsieur le Président. Je laisse la parole à Monsieur Philippe Pierre-Charles, qui est le porte-parole du collectif pour dépolluer la Martinique, également pour son intervention de cinq minutes. Et puis ensuite, il y aura Monsieur Jeanne-Marie Flower et nous passerons ensuite aux questions réponses, aux échanges. Je vous laisse, Monsieur le porte-parole, pour vous exprimer. Je vous laisse vous exprimer. Oui, merci aux députés de bien vouloir nous écouter. Merci à Marcelin Nadeau et à son groupe d'avoir permis cette réunion. Je ne vais pas reprendre ce que vous avez connu par mission parlementaire, puis par la commission d'enquête parlementaire. Je voudrais surtout vous dire comment nous percevons le sentiment et les attentes de la population dans cette question. D'abord, il faut que chacun comprenne qu'après des dizaines de meetings publics, de rassemblements, de manifestations de rue, d'opérations coup de poing, de campagnes médiatiques, si après tout cela, rien de significatif n'a vraiment changé, eh bien, il faut s'attendre que finalement, les choses vont prendre une autre tournure et il faut craindre qu'il y ait de véritables explosions sociales sur cette affaire. Il faut bien prendre la mesure de la profondeur, de la cassure qui existe entre le pouvoir politique et puis la population devant la chaîne de crimes que l'on résume par le nom de chlordécone. Le tribunal administratif de Paris a dénoncé les négligences coupables de l'État. Le président de la République a un peu avant ça,
reconnu les responsabilités de l'État. Il s'agit de savoir est-ce que les parlementaires pourront obtenir de l'État qu'ils nomment les autres responsables, puisqu'il y a une part de responsabilité, quels sont les autres responsables et qu'est-ce qui va leur arriver. Est-ce que le Parlement, est-ce que l'Assemblée nationale ont le pouvoir de faire ça, d'autant que la population sait très bien que beaucoup de ces responsables sont clairement identifiés. Dans le secret de son bureau, un préfet nous a dit que, eh bien, il y a une responsabilité morale des grands planteurs pollueurs. Il est inadmissible qu'aucun de ceux-ci ne soit sanctionné, qu'aucun n'ait rien à payer devant une telle catastrophe. Le peuple veut la vérité, qui est encore très partielle. Le peuple veut la justice, qui est inexistante. Et le peuple veut des réparations qui, pour le moment, sont assez dérisoires. Le président de la commission parlementaire a déclaré à plusieurs reprises que les sommes qui sont mises pour ces réparations sont dérisoires, sont des miettes. Eh bien, aujourd'hui, il faut savoir que ces miettes sont inférieures à ce qui est donné chaque année aux gros planteurs dans le cadre de la politique de la France et de l'euro. Alors qu'on a affaire à un écocide qui touche tous les aspects de la vie des populations de Martinique et de Guadeloupe, c'est inacceptable. Toutes les politiques publiques aujourd'hui concernant la Martinique et la Guadeloupe devraient se voir à travers les lunettes du crime chlordécone, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse des recherches scientifiques, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de la pêche, qu'il s'agisse même des résultats scolaires, qu'il s'agisse de la situation particulière des ouvriers agricoles, de la situation des femmes, de la détresse des aînés, du sort des générations futures, de la question démographique et même de la question de la démocratie sociale et politique la plus élémentaire, tous ces éléments-là sont concernés par cette question de chlordécone. La population, en tout cas, elle a une certitude, c'est que si une telle catastrophe avait touché l'Hexagone, eh bien, les moyens qui auraient été mis en place auraient été tout à fait autres. Un an après la question de la vache folle, la traçabilité de la viande hexagonale était assurée. Un demi-siècle après la question du chlordécone, nous sommes toujours en train de courir après la traçabilité de ce qu'il y a dans nos assiettes, alors que pour nous, ce qu'il doit avoir, c'est absolument zéro chlordécone et non pas des maximums de résidus. Un an d'un côté, plus de 50 années de l'autre, et ça n'est pas réglé. Alors, en ce qui concerne les réparations, qui sont peut-être plus du domaine de l'Assemblée nationale, enfin de la représentation parlementaire, nous réclamons, la population avec nous réclame un plan pluriannuel, comme ça vient d'être dit, mais qui résulte d'une négociation véritablement entre l'État, entre les collectivités locales et le mouvement social très présent dans ce combat. Ce que nous réclamons aussi, c'est qu'il y ait un audit indépendant qui puisse évaluer la hauteur des moyens financiers qu'il faut pour sortir de l'insuffisance actuelle et que on ait l'information donnée à toute la population. Enfin, nous réclamons aussi qu'il y ait un pilotage de cette réparation par les trois composantes que j'ai indiquées tout à l'heure. C'est indispensable pour qu'il y ait une confiance et pour qu'il y ait le sentiment que les choses vont changer. En un mot, pour résumer, soit nous sortons par le haut de la catastrophe actuelle chlordécone, soit personne ne pourra répondre de rien du tout. Monsieur Pierre-Charles, de votre intervention. Notre dernier intervenant est le président de l'association Vivre Guadeloupe, Monsieur Jeanne-Marie Flower, vice-président, pardon, de l'association Vivre Guadeloupe. Vous avez la parole pour 5 minutes, Monsieur le vice-président. Merci, Monsieur le président. Tout d'abord, donc, mes remerciements au groupe GDR et au député Marcel Anado pour nous permettre de nous exprimer sur cette question. Je suis bien le président de l'association Vivre et membre du Lionnage pour des polliers Guadeloupe, et c'est à ce titre
que j'interviens devant vous. Donc, mon intervention va s'articuler en quatre points. Un premier point, disons, une réaction un peu à chaud sur la communication du gouvernement depuis 2017, mais en particulier depuis 2022 sur cette question. Ensuite, une comparaison qui peut être osée, mais qui mérite d'être faite entre la gestion de la crise Covid très récente et la gestion de la crise chlordécone qui est beaucoup plus ancienne. Ensuite, un comparatif rapide entre l'évolution des espérances de vie en Outre-mer d'une part et dans l'Hexagone d'autre part, avec les parallèles qu'on peut faire aussi sur d'autres scandales environnementaux et sanitaires, comme ceux de l'amiante ou du sang contaminé. Et puis pour terminer, quelques mots sur le grand absent pour l'instant, qui est le préjudice écologique et sa réparation ou son absence de réparation pour l'instant. Alors, pour commencer, le document voilà, que je présente ici, qui sont les actes du dernier colloque qui s'est tenu en décembre 2022 sur l'état de la recherche, des connaissances sur le chlordécone, il m'apparaît assez équilibré et beaucoup plus nuancé que la communication la plus récente du gouvernement, donc datée de l'année 2023. Et l'impression que ça laisse, c'est finalement une communication très à décharge de l'État, notamment ce qui concerne, par exemple, les solutions ou les prétendues solutions de décontamination des sols, qui sont présentées comme relativement acquises et opérationnelles, alors que dans ce document, il est bien précisé que ce sont pour l'instant des embryons de solutions qui n'ont aucune opérationnalité en l'état actuel des choses. Idem en ce qui concerne la contamination des milieux aquatiques. On laisse sous-entendre qu'elle serait relativement contenue, alors qu'on sait que des cétacés, qui sont pourtant des êtres vivants qui vivent très, très au large de nos côtes, sont tous, en tout cas tous ceux qui ont été testés, sont contaminés aussi au chlordécone, de même que les populations humaines. Enfin, sur la cartographie des sols, qui apparaît comme, en général, largement avancée, voire suffisante, alors en réalité, on voit flou. On a une cartographie qui est très très large, on n'a pas un effort de cartographie suffisant. Ensuite, la comparaison Covid-chlordécone. Autant le Covid, la gestion du Covid, nous apparaît globalement comme étant exemplaire de la prise en compte de l'intérêt général de la population à long terme. Autant la gestion du chlordécone, dès son origine, dès les années 60-70, nous paraît être au contraire au détriment de l'intérêt général, mais au profit d'intérêts catégoriels jusqu'à présent. L'espérance de vie, très rapidement, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les courbes d'espérance de vie ont progressé à peu près à la même vitesse dans l'Hexagone et dans les départements d'outre-mer, jusque dans les années 70. À partir des années 70, on a observé un décalage, un ralentissement de la croissance de l'espérance de vie dans nos îles, qu'on ne peut pas s'empêcher de relier à tout un certain nombre de différences. L'usage notamment de certains pesticides, dont le chlordécone, même si pas uniquement, les transitions alimentaires, etc., etc. En tout état de cause, quand on fait un compte du nombre de morts qu'on pourrait attribuer à la problématique chlordécone depuis les années 70, on constate que par milliers d'habitants, on arrive à des totaux de plusieurs milliers qui sont tout à fait comparables à ceux du sang contaminé ou à ceux des morts liés à l'amiante quand on les ramène à la population nationale. Et donc, ça fait peser des risques psychosociaux, des risques sécuritaires, comme ça a déjà été dit par M. Pierre Charles. Pour terminer, le préjudice écologique, qui est la contamination des sols, des eaux et de la biosphère, ne nous apparaît absolument pas pris en compte. Et c'est justement ce devrait être l'objet d'une véritable et ambitieuse loi de programmation sur les 10, voire 15 prochaines années, afin de réellement boxer dans la même catégorie que le problème.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie pour votre attention. Je remercie chacun de nos intervenants, de leurs propos. Nous allons maintenant en venir aux questions des députés. J'invite tous ceux qui souhaitent intervenir dans la table ronde à s'inscrire auprès de la direction de séance. Ce sera plus simple. Chaque question va être suivie de la réponse afin que le débat soit le plus fluide, le plus vivant. La première, c'est évidemment pour notre collègue Marcelin Nadeau du groupe GDR qui est à l'initiative de ce débat et à qui je donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais déjà remercier vraiment le groupe GDR, mon groupe, d'avoir accepté de porter ce sujet donc, au cœur de l'Assemblée nationale à travers ce débat. Remercier bien sûr le bureau de l'Assemblée nationale d'avoir accepté, et toutes les collègues et tous les collègues ici présents d'être parmi nous. Et bien sûr remercier les intervenants pour leur brillante intervention et éclairante intervention. Alors je voudrais poser en fait trois questions. La première à M. Sérénus sur la question de la persistance en fait. À la problématique chlordécone polluée soit utilisée contre le lavage de bananes, notamment par des ouvrières. Donc, savoir nous donner quelques éléments sur la réalité. Après, à M. Philippe-Pierre-Charles évoquer effectivement la question de l'explosion et lui demander comment l'éviter, et notamment sur la question de notamment sur le front judiciaire, quelles modalités que pourrait faire effectivement l'État pour ne pas tomber dans ce risque en fait, d'explosion qu'il a évoqué. Et puis enfin, pour M. Jean-Marie Floreur, évoquer effectivement quelles seraient les modalités justement d'une véritable réparation écologique pour rétablir, je veux dire, le caractère vertueux des écosystèmes et de notre réserve en eau notamment. Merci, monsieur le député. Alors, je vais proposer au président Sérénus de prendre la parole en premier, et puis ensuite, on laissera la parole aux autres intervenants. Monsieur le président Sérénus, je vous laisse répondre à notre collègue Nadeau. Oui, comme tout le monde le sait, les exploitants de la banane le savent, que l'ensemble des cours d'eau de la Martinique est empoisonné. Et puisqu'ils ont testé l'eau, la DEAL, ont testé l'eau, l'ensemble des cours d'eau. Mais ils récupèrent l'eau des rivières, des ravines, et pour qu'on puisse arroser la banane, les champs de bananes, ainsi que cette eau est utilisée pour laver la banane après récolte. Et cette eau est fortement polluée par le chlordécone et autres pesticides. Et après lavage, ils rajoutent du fongicide dans l'eau. Et dans une autre eau pour qu'ils puissent pas avoir, la banane ne puisse pas faire des champignons. Et les ouvriers qui travaillent dans cette eau qui est fortement contaminée durant toute la journée, ils ont des petits gants qui n'est pas, ils peuvent pas le protéger. Et c'est l'enquête qu'on a menée et les tests qu'ils ont fait sur les ouvriers agricoles. C'est par là qu'on a commencé un travail pour des recherches pour voir dans quelles conditions les ouvriers agricoles continuent à se faire empoisonner. Et ces recherches nous ont amené dans ces l'eau utilisée pour laver la banane qui s'empoisonne. Mais cette eau, il y a beaucoup de chlordécone, des taux très importants. Il y en a des matières fécales. Et dans cette eau, il y a autres pesticides, glyphosate et fongicides. Et ils rajoutent de l'eau, ils rajoutent du chlore dans cette eau pour dire comme quoi on traite l'eau, et l'eau est traitée. L'eau n'est pas traitée, le chlore ne peut pas éliminer le chlordécone, ni les fongicides. Alors, il y a l'Institut national de médecine agricole
et qui se trouve à Tours, ils ont fait une recommandation que toutes les femmes en âge de procréer, de 15 ans à 50 ans maintenant, et bien, tous ces gens-là, il ne faut pas qu'ils soient en contact avec les molécules du chlordécone. Et là, on voit, oui, et bien je conclue, c'est là qu'on voit que cette recommandation n'a pas été appliquée, et c'est là qu'on voit les enfants qui sont nés de ces femmes-là auront des pathologies très graves dans l'avenir. Alors, on demande de mettre en application cette recommandation. Merci. Merci. Monsieur Pierre-Charles, vous avez la parole pour répondre à la question du collègue Nadeau. Oui, je disais, la première chose à faire, c'est de prendre conscience des risques réels, de se méfier du calme apparent des simples manifestations de rhume. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est prendre un certain nombre d'orientations sans même attendre la loi programme que nous réclamons avec un certain nombre d'élus. Des mesures immédiates, comme par exemple le fait de dire que le but, ce n'est pas des maximums de résidus, c'est le zéro chlordécone. Ça sera une indication qu'on va vraiment dans la bonne direction. Ce serait aussi de mettre en place une cartographie beaucoup plus fine et beaucoup plus complète, de manière à ce qu'il y ait une traçabilité et que cesse cette angoisse permanente de la population sur ce qu'elle consomme, ce qu'elle mange. Ça, c'est une chose qu'il faudrait faire immédiatement. Et puis, il faudrait aussi que l'on indique très clairement que le modèle qui est suivi aujourd'hui de toute l'agriculture spéculative, bananière, etc., eh bien que cela sera remplacé par un effort pour l'agriculture vivrière, mais une agriculture nourricière sans chlordécone, une agriculture nourricière qui soutienne les alternatives qui se dégagent du terrain, d'acteurs qui font des propositions. Je pense que si on prend des directions comme ça, on va recréer un climat qui permettra d'envisager une action commune, une action concertée pour sortir de cette véritable catastrophe. Il faut donc immédiatement des mesures fortes dans ces directions. Porte-parole. Et puis, Monsieur Flower, Monsieur le Président de l'association Vivre Guadeloupe, c'est à vous. Oui, alors, quelle réparation écologique? D'abord, comme ça a été souligné, la cartographie est à une échelle qui est considérablement insuffisante. Les résultats de la recherche sur la décontamination des sols disent toutes qu'on a des débuts de solution pour des surfaces équivalentes à 100 mètres carrés. Donc, ça veut dire que pour chaque hectare, on devrait faire au minimum une centaine de prélèvements pour pouvoir cartographier le chlordécone au plus près des fortes concentrations qui sont finalement qui sont sur des surfaces relativement réduites et qui sont les seules à pouvoir être efficacement décontaminées. À titre d'exemple, le terrain de mes parents qui a bénéficié du programme JAFA, 2000 m2, il y a eu 3 prélèvements seulement, il en aurait fallu 20. Donc c'est très très insuffisant. Et c'est la condition sine qua non pour justement aller chercher le chlordécone là où il est, dans les sols, et pouvoir réellement le sortir des communs, les sols, les eaux, la biosphère. Deuxièmement, l'aide aux pêcheurs est dramatiquement insuffisante. Aujourd'hui, les pêcheurs, par exemple, pourraient contribuer à décontaminer les eaux côtières, mais ils sont interdits de pêche. Par contre, il faudrait que le poisson pêché dans ces eaux côtières, dont on sait qu'il est contaminé, soit traité non pas comme un aliment, mais comme un déchet toxique. Et pour compenser le fait que ce poisson ne soit pas consommable, il faudrait peut-être étudier des possibilités d'accords de pêche avec le Venezuela,
qui est devenu en 1980 propriétaire de l'île d'Avès, qui normalement faisait partie des eaux territoriales de la Guadeloupe jusqu'en 1980. Et ces eaux auraient pu être largement exploitées, et non pas surexploitées, par nos pêcheurs. Enfin, l'interdiction ou les très fortes restrictions de la chasse nous paraissent aussi indispensables dans la mesure où les biocénoses, les oiseaux, les chauves-souris qui sont chassés, sont eux aussi contaminés au chlordécone, le dichlordécone, ayant des impacts aussi, de même que la chasse. Donc la réduction de la pression de chasse serait aussi un début de réparation écologique. Je vous remercie. Président. Alors, j'ai enregistré un certain nombre de demandes d'intervention. D'un président, nous passons à un autre, puisque c'est le président Chassaigne, président du groupe GDR, qui souhaitait poser une question. Est-ce que votre question, président, s'adresse à une personne en particulier ou est-ce que c'est des questions pour les différents intervenants? Non, c'est dans la continuité de la question posée par M. Nadeau pour demander un peu plus de précision suite aux réponses que l'on a eues. Je vous laisse. Donc c'est un lien direct. Sur cette question des bananes qui, après récolte, seraient lavées avec de l'eau puisée dans des rivières et des ravines, chargées d'un cocktail composé à la fois de chlordécone, de pesticides en tout genre, à quoi s'ajoutent des traces de matière fécale. Les réponses ont pour l'essentiel, notamment celle de M. Sérénus, porté sur les conséquences sur les ouvriers agricoles de ce type de manipulation. Or, ce que j'aimerais, c'est avoir un peu plus de précision sur, la qualité de la banane à la suite de ces lavages, puisque tous les experts dans les rapports, les conférences, autres prises de parole sur ce sujet nous vendent une banane propre, ce fruit poussant en hauteur, ne pouvant être en contact avec le chlordécone. Donc je rebondis sur ce qu'a dit notamment M. Pierre Charles. Qu'en est-il vraiment de cette agriculture nourricière? Merci, président Chassaigne. On va refaire un petit tour de nos intervenants. Monsieur le président Sérénus. Ah, on ne vous entend pas, président. Je crois qu'il faut remettre le son. Là, ça va. La banane est vertueuse, comme disaient les planteurs de bananes. La banane est, comme monsieur de la Guadeloupe a dit, c'est la banane est devenue un déchet toxique maintenant, parce que la banane est imbibée de chlordécone, puisque au début, ils disaient les deux premiers mets en haut et avec du chlordécone, ils ne les commercialisaient pas, mais maintenant ils les commercialisent. Pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté le taux, le MLR. Ça veut dire qu'il y a un taux consommable. Mais les taux consommables d'un métaux lourd, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire à l'intérieur du corps. Alors, on a rencontré les services de l'État, l'ARS, et l'ARS nous a dit elle n'a jamais eu de demande pour récupérer l'eau des rivières et des ravines pour laver les bananes. Et c'est ce que disent les planteurs de bananes. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, on voit de plus en plus les ouvriers agricoles continuer à être empoisonnés et les consommateurs de ces bananes risquent grave aussi. Il y a les planteurs de bananes nous disent un collectif comme quoi on veut éliminer la banane. Non, si le jour qu'il y a un accident, un enfant avec des produits matières fécales, des produits de chlordécone dans leur sang en mangeant des bananes, eh bien, la banane martiniquaise ne va pas exister. C'est pour eux aussi qu'on mène le combat pour qu'ils puissent protéger les consommateurs. Et d'ici quelques années, il y aura d'autres bombes qui va éclater en Martinique. Je dis bombe sous la question de l'empoisonnement, puisque on sait il y a du chlordécone un peu partout en Martinique, même stocké toujours. Alors c'est des choses que l'État doit prendre ses responsabilités, et peut-être ça peut pas de la question de la loi
un programme, mais l'État doit prendre ses responsabilités parce que vous vous rendez compte, la directrice de l'ARS nous dit qu'elle n'a jamais eu d'autorisation de récupérer l'eau et l'ARS est au courant, l'eau est empoisonnée. Et l'ensemble des Martiniquais n'ont pas le droit d'aller dans certaines rivières, de pêcher des écrevisses, de l'eau qui est hyper empoisonnée. Alors aujourd'hui, le collectif demande, c'est cette demande qu'on a fait à l'ARS, que le temps de mettre en place des filtrations pour l'eau empoisonnée, de utiliser de l'eau potable pour laver la banane. C'est quelque chose qui se fait en l'Hexagone, de laver les légumes avec de l'eau propre, non pesticides, non matières fécales. Et en Martinique, on souhaite que ça puisse se mettre en place. Merci. Pierre Charles, président Chassaigne, vous avez interpellé. Oui. Je vous donne la parole. Oui, ce que je signalais, c'est que nous réclamons la vérité. Autrement dit, il y a encore beaucoup d'opacité. Et la vérité suppose que la recherche scientifique, que les analyses, que les expérimentations soient faites de manière indépendante, de manière transparente, et que le mouvement social puisse avoir un regard très précis sur ces choses-là. La confiance, elle a disparu. La confiance, elle est morte après toute cette série de mensonges et toute cette série de choses absolument inadmissibles. On ne va pas la recréer sans recréer d'abord la transparence, la connaissance réelle des faits. Au lieu de cela, les choses sont aggravées par des réponses farfelues. Lorsque on vous répond que finalement, pour les eaux qui sont utilisées pour laver les bananes, les bacs qui sont utilisés, on utilise du chlore, alors qu'on sait que la question qui est posée, c'est une question de chlordécone. Alors, comment est-ce qu'un responsable peut nous indiquer qu'on va nettoyer le chlore avec du chlordécone? Bon, donc ça ne crée pas les choses. Il faut véritablement qu'il y ait des expertises indépendantes qui puissent recréer la confiance et que l'on puisse savoir. D'autre part, sur les questions de l'agriculture nourricière, nous disons qu'il y a un chantier qu'il faut véritablement ouvrir, c'est le chantier des terres en friche qui sont supposées en principe sans chlordécone, puisqu'il n'y a pas eu de plantation de bananes. Ces terres en friche, il faut qu'elles soient mises à disposition des agriculteurs qui sont sans terre. Il y a des mesures à prendre, il y a des incitations à prendre, des incitations fortes pour qu'on puisse produire ailleurs que sur des sols suspectés ou évidemment après une connaissance plus précise de la réalité des sols. Je crois qu'il faut ce type de mesure pour qu'on puisse avancer. Merci, M. Pierre-Charles. M. Flower, est-ce que vous souhaitez commenter, répondre au président Chassaigne? Vous avez la parole. Oui, très rapidement. Je pense que le problème majeur aujourd'hui, c'est celui de la qualité non seulement de l'eau qui est distribuée par les réseaux. On a en Guadeloupe régulièrement des alertes sur la présence de diverses matières qui n'ont rien à faire dans l'eau potable, dont notamment du chlordécone. Et cette eau, elle est bue également par les touristes qui viennent nous voir, Martinique et Guadeloupe. Donc, ce n'est pas un problème simplement anti-ano, anti-es, c'est un problème qui concerne tous les visiteurs, tous les usagers, y compris les visiteurs de passage. Et puis, en ces temps d'inflation qui mord vraiment très, très fort, si les circuits commerciaux sont apparemment correctement contrôlés, bien même si c'est vraiment de l'aléatoire et c'est une très faible fraction des transactions qui sont effectivement contrôlées, il y a toute la question des circuits informels, des circuits de dons entre le voisinage, la famille, qu'il s'agisse de produits de la terre ou de produits de la pêche. Et là, on a eu un échec vraiment patent. On est incapable de s'assurer que ces produits qui seront échangés
ou les prélèvements qui vont être faits dans les sources de bord de route ne seront pas contaminés aux pesticides en général et au chlordécone en particulier. C'est ça pour moi la véritable urgence, de mettre vraiment le paquet sur une communication de l'État qui reconnaisse sa responsabilité pleine et entière dans la situation actuelle et qui propose de co-construire des solutions pour sortir par le haut de ces situations où, encore une fois, le chlordécone continue de circuler dans les sols, dans les eaux et dans la biosphère, dans les êtres humains. Monsieur le Président, alors on va refaire peut-être un tour du côté des parlementaires pour savoir si certains des collègues députés ont des questions à poser. Monsieur Ajar, vous souhaitiez poser une question ? Vous avez la parole, monsieur le député. Oui, merci. Merci vraiment de votre présence et bonjour à toutes et à tous. Nous connaissons un petit peu les conséquences en termes d'impact, en tout cas pas suffisamment mesurées, mais réelles, au niveau sanitaire, économique, environnemental et social de ce scandale que j'appelle un scandale d'État. Ma question est très simple. Quel bilan, alors, comme le temps est court et qu'il faut quand même une réponse de chacun, quel bilan tirez-vous, vous, en tant que personne concernée directement ou en tant qu'expert, en tant que représentant de celles et de ceux qui vivent cette situation au quotidien, quel bilan tirez-vous de la... mais aussi les familles qui sont concernées. Quel bilan tirez-vous sur le plan sanitaire, concrètement, de ce scandale d'État ? Merci. Merci. Alors, messieurs, je vous invite à bien cadrer votre temps de parole, parce que le temps passe et on a encore des questions de parlementaires. Donc, si on veut que tout le monde puisse poser sa question, je vous invite à résumer votre pensée en une minute trente maximum, de façon à ce qu'on puisse laisser tout le monde parler. On refait un tour, on commence par le président Sérénus. Oui, le bilan que le collectif sort, c'est un bilan pour le peuple martiniquais et notamment les plus touchés, ce sont les ouvriers agricoles. Le bilan est catastrophique parce que d'après l'enquête qu'on a menée sur 1500 personnes, les ayants droit, c'est 1500 personnes. On a trouvé peut-être 3 ou 4 personnes qui n'ont pas des pathologies liées à l'empoisonnement. Ce sont des pathologies endocriniennes, métaboliques, qui est très grave. Et c'est ce qu'on a remarqué d'ici l'année 2000, c'est la question de dépression. Il y a beaucoup, la plupart des ouvriers agricoles qu'on rencontre, on voit que c'est des gens qui sont en dépression. Alors, c'est pourquoi on demande que le Centre régional de pathologie et de maladies professionnelles et environnementales, dirigé par le professeur Daborizia, il faut renforcer ce centre-là par des psychologues, par des nutritionnistes, et avoir une véritable médecine environnementale en place en Martinique. Je pense en Guadeloupe, ça sera fait possible aussi, parce que les ouvriers agricoles, les riverains des habitations sont fortement contaminés. Et on voit, auparavant, les ouvriers agricoles travaillaient en famille, frères, sœurs, parents, dans les champs. Et aujourd'hui, ils sont tous, les gens-là, décèdent d'une manière très, très prématurée. Pierre-Charles. Oui, le bilan, il est catastrophique, mais on a même du mal à le cerner dans sa totalité, parce que beaucoup d'éléments manquent. Même si les populations sont numériquement petites, il faudrait quand même qu'il y ait des études épidémiologiques. On sait que ce ne sont pas seulement les générations actuelles qui sont touchées, que les enfants sont touchés. L'étude Timoun a montré que le quotient intellectuel diminue. On sait qu'il y a transmission par le fœtus, par la mère. Par conséquent,
de chlordécone. On sait que c'est une bombe à retardement qui peut entraîner que des générations après, eh bien, on a encore des manifestations de cela. Et puis, il y a une insuffisance de connaissances sur l'effet cocktail, c'est-à-dire quels sont les résultats de mélange de différents fongicides et pesticides. On n'a pas d'études suffisantes là-dessus. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'enquête, de la recherche et évidemment des solutions. On a même pas, si vous voulez, une évaluation de ce qui est dit sur la détoxication des personnes. On évoque des procédés, la médecine halieuvétique, on dit que ça pourrait donner des résultats pour que ceux qui ont du chlordécone, eh bien, on puisse les nettoyer de ce chlordécone. Eh bien, il n'y a pas une vérification, il n'y a pas un protocole qui puisse certifier que oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Donc, y compris au niveau de la connaissance, on est loin de ce qu'il faut pour faire face à cette tragédie. Oui, merci, Monsieur le Président. Rapidement, l'effet cocktail dont Monsieur Pierre-Charles parlait, il ne se retrouve pas seulement dans les organismes vivants. Il y a un effet cocktail, par exemple, entre le glyphosate et le chlordécone. Au niveau des écosystèmes, une étude agronomique, INRAE CIRAD, a montré que là où du glyphosate avait été utilisé, l'érosion des sols suite aux fortes pluies était supérieure et donc entraînait le chlordécone présent dans les sols, dans les eaux. Donc ça, c'est un élément de plus sur le bilan très insuffisant qu'on peut faire de la prise en charge sanitaire et sociale des effets du chlordécone. Ensuite, l'exposition n'est pas seulement professionnelle, elle est malheureusement au niveau de la population générale. Et il y a un certain nombre de manifestations de santé, de cancer, de la prostate, et y compris d'autres problèmes de santé, qui débordent largement de la population agricole et qui ne sont pas, à l'heure actuelle, encadrés, qui ne sont pas correctement pris en charge par la sécurité sociale ou par les mutuelles. Donc, beaucoup reste encore à faire, notamment quand on compare la situation de la France à celle des USA, où entre 1975 et 1980, c'est plus d'un milliard de dollars de l'époque, donc ça veut dire beaucoup plus en équivalent actuel, qui ont été dépensés suite à la contamination au chlordécone autour de l'usine d'Hopewell en Virginie. Je vous remercie. J'alterne les questions des groupes. C'est le député Nilor qui souhaitait, pour le groupe LFI, poser une question. Et je réduis un peu au fur et à mesure les temps de questions et de paroles. Normalement, c'est 2 minutes pour l'ensemble des réponses. On a donné 2 minutes à presque chaque intervenant. Donc, messieurs, je vous demande de vraiment réduire votre parole à 1 minute de réponse si on veut que les 2 députés suivants puissent encore vous questionner. Monsieur le député Nilor. Au nom du groupe LFI, mais aussi au nom de la Martinique entière, on parle souvent de scandale d'État, à juste raison. On dit que l'État est coupable de négligence, etc., etc. Mais cette culpabilité, elle est accentuée par une décision qui est inique et cynique, c'est celle du non-lieu. Est-ce que ce n'est pas un deuxième scandale, ce non-lieu? Comment vous vivez ça? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes solidaire en tant que victime des... que ces gros producteurs n'ont pas quelque part participé à l'accentuation de ce crime qui a été commis contre le peuple de Martinique et de Guadeloupe. Merci, monsieur le député. Je propose au président Sérénius de répondre en premier, de reprendre notre tour de réponse, monsieur le président. Oui, les 90% des plantations des bananes en Martinique, ce sont les gros planteurs. Qu'ils ont une centaine d'hectares et c'est eux qui ont la majorité du poséil qui monte jusqu'à 130 et quelques millions. Et les petits planteurs ne sont pas pris en compte. Alors aujourd'hui, les petits planteurs n'est pas
responsables de ce truc-là. Ceux qui sont responsables de l'empoisonnement du peuple martiniquais, ce sont les gros planteurs. Et en plus, c'est eux qui ont commercialisé, c'est eux qui ont produit le chlordécone et en donnant un autre nom, képone, et différents noms. Et ils savaient bien que c'était du poison. Alors, le collectif des ouvriers agricoles, et on a des contacts avec les petits planteurs, mais les gros planteurs, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu contact avec eux. Et pour l'instant, ils sont beaucoup plus dans la défensive et envers le collectif des ouvriers agricoles. Monsieur Pierre-Charles. Oui, ce qui est certain, c'est que l'impunité ne passe pas. La population est révoltée par cela. La première fois qu'on a entendu cette possibilité, il y a eu un déferlement dans les rues de Fort-de-France. Eh bien, cette fois-ci, il y a eu une nouvelle manifestation avec un niveau, peut-être une certaine résignation, mais c'est mauvais signe parce que ça veut dire que la suite peut être beaucoup plus grave, beaucoup plus catastrophique au niveau social, au niveau des réactions. Donc, l'impunité, ça ne passe pas. Ça, c'est clair et net, ça ne passe pas. Et le silence de l'État, du gouvernement, du président de la République, qui parle de part de responsabilité de l'État, mais qui ne nomme pas les autres responsables et qui dit par conséquent que bon, y a rien à leur faire, ça aussi, ça pose problème. Alors, nous, ce que nous voulons, c'est non seulement qu'il y ait bon, des sanctions, justement qu'il y ait désignation publique et sanctions, mais nous voulons aussi que cette crise soit mise à profit pour un changement du modèle agricole. Pour nous, c'est extrêmement important. On ne va pas rester dans cette dépendance d'une quasi-monoculture, d'une culture spéculative. Il faut passer à autre chose. Et il faudrait au moins que la crise de chlordécone serve à cela. Voilà. Monsieur Flower, est-ce que vous souhaitez dire un mot au collègue Nilor ? Oui, très rapidement. Je vous en prie. Le non-lieu tel qu'il a été, la façon dont il a été vécu, c'est profondément néfaste à la restauration de la confiance vis-à-vis de la parole de l'État. Ça brouille en fait quasiment tous les messages que pourra apporter l'État, quelle que soit la problématique. Donc c'est un vrai problème. Au-delà de la réponse purement judiciaire actuelle, il faut peut-être déjà envisager le coup d'après qui serait de la justice restaurative ou restauratrice, je ne sais pas exactement comment on dit, ou sur le mode de ce qui s'est passé au Rwanda, en Afrique du Sud, une commission vérité et puis réparation ou réconciliation, ou peut-être les deux, il y a débat pour l'instant, mais en tout cas qui dépasse largement le cadre judiciaire, parce que sinon, effectivement, la cocotte minute, elle risque vraiment d'exploser, et on ne sait pas jusqu'à quelle extrémité ça pourra arriver. Après notre collègue de Martinique, c'est notre collègue de Guadeloupe, monsieur le député Christian Baptiste. Oui, bonsoir à tous. Je voudrais féliciter et remercier les différents intervenants. J'ai deux questions. Alors la première, vous avez beaucoup parlé de l'utilisation de l'eau qui est contaminée avec des matières qui n'auraient jamais dû être dans l'eau soi-disant potable. Et même la demande d'utiliser cette eau potable pour nettoyer la banane. Bon, nous avons bien compris qu'en fait, c'est une eau qu'il ne faut pas boire. Je pense que je l'interprète comme ceci. Donc si je me trompe, vous allez me dire. Ça, c'est la première question. Mais qui aussi, est-ce que vous pouvez me rassurer sur le fait quand même que l'eau minérale est quand même potable, est quand même buvable? Parce que quand même, nous avons de l'eau qui vient des sources. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des prélèvements ou en tout cas des études scientifiques là-dessus? D'autre part, je voudrais aussi dire et connaître votre position, parce que c'est vrai que le groupe socialiste auquel je suis apparenté... les victimes du chlordécone et surtout à renforcer, et c'est là où surtout ma question, notre arsenal juridique, par la création d'un crime d'écocide. Je voudrais un peu connaître votre position là-dessus. Merci beaucoup.
Merci, monsieur le député. Monsieur Sérénus. Oui, en Martinique, l'eau, on ne peut pas dire que l'eau n'est pas potable, puisque les scientifiques disent que l'eau est buvable et potable. À un moment, ce n'était pas potable, puisque à un moment, ils ont mis des fuites à charbon du côté de l'honneur de la Martinique pour filtrer l'eau avec des fuites à charbon qui sont apparemment c'est performant. Mais d'après ce qu'on a appris, il y a des moments des accidents, des fuites qui ne fonctionnent pas et des fuites qui ne sont pas changées et changées périodiquement. Et là, des moments, il y a de chlordécone et autres pesticides dans l'eau qu'on boit en Martinique. Mais on nous dit que c'est des taux de traces, mais c'est ce qu'on souhaite. Chez nous, partout, je pense en Guadeloupe, c'est pareil, c'est zéro chlordécone dans l'eau potable et dans la terre et dans les cours d'eau en Martinique, puisque jusqu'à maintenant, on n'a pas. C'est pourquoi on n'a pas parlé de la Manzo et un bassin artificiel qu'ils ont fait il y a plusieurs années, parce que l'eau de la Manzo, apparemment, on peut laver la banane avec. On peut laver la banane avec, mais c'est pourquoi on dit. Et pour l'instant, on ne peut pas dire ne pas laver la banane avec l'eau qu'on boit en Martinique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Père Charles, vous voulez dire un petit mot ? Et puis je demanderai après au Président Flower de répondre. Juste pour dire que, effectivement, la mobilisation quand même de la population a permis d'obtenir des petites choses. Comme par exemple le fait que les frais de la dépollution de l'eau avec le filtre à charbon dans le nord de la Martinique, qui étaient assumés par les collectivités locales, et bien finalement l'État a fini par reconnaître qu'il faut qu'il prenne ça à sa charge. C'est un petit progrès. Mais ce que nous voulons dire, c'est que dans ces progrès-là, il faut changer d'échelle. On est à une échelle beaucoup trop petite. Une échelle qui est très insuffisante. Il faut véritablement qu'il y ait des changements sérieux dans cette question de plan d'école. Président Flower. Rapidement, la qualité de l'eau minérale, elle n'est pas pour autant indemne de polluants, notamment les PFAS, les nanoplastiques. Elle est aussi également très, très chère. Donc finalement, on est pris entre deux feux. Et pour l'instant, ça reste quand même l'eau du réseau qui a la meilleure qualité globalement. Et c'est de loin la moins chère aussi. Donc, c'est un arbitrage individuel qui n'est pas toujours évident à faire en fonction des connaissances, du niveau de connaissance qu'on a. Sur le crime d'écocide, oui, incontestablement, ça va dans la bonne direction. Mais attention, le diable est dans les détails. Quelles sanctions effectives ? Pour ce qui est un crime, qu'est-ce qui. Coopération entre services, notamment police, justice, quelle volonté politique, réellement. On a vu que l'esclavage a été reconnu comme crime contre l'humanité, et pourtant, la question des réparations de l'esclavage, elle fait toujours débat 20 ans après. Donc voilà, je voulais juste insister sur ces aspects. Merci, Monsieur le Président. Je prends la dernière question d'une députée, notre collègue Madame Kéké, sur 3 minutes, la question et les réponses, de façon à pouvoir ensuite accueillir le ministre. Madame la députée, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En janvier 2023, un non-lieu a été prononcé par les juges de pôle santé du tribunal de Paris. Les juges d'instruction ont reconnu eux-mêmes un scandale sanitaire. Et aujourd'hui, les populations de la Martinique et de la Guadeloupe sont beaucoup inquiètes. Comment vous pouvez les rassurer ? Comment vous pouvez rassurer la population sur les réparations, alors même qu'un procès leur a été refusé ? Comment ? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien que nous débattons, mais comment on peut rassurer cette population-là ? Elles veulent comprendre et savoir leur sort. Parce que c'est quoi de qu'on donne des maladies à ces populations ? Donc la population veut comprendre. Merci. Merci, Madame la députée. Monsieur le Président Sérénus, pour votre dernière réponse. Oui.
le lieu qui a été prononcé, c'est un lieu de complaisance. C'est un arrangement, si on veut, politique. Parce que la question chlordécone, c'est quelque chose en Martinique et en Guadeloupe qui est très, très... D'après les administrations qu'on rencontre, ils me disent que c'est quelque chose de brûlant, et la question chlordécone. Et ils ont fait ce non-lieu, de non-lieu de complaisance. C'est un mépris pour le peuple martiniquais et guadeloupéen. C'est abominable, ce non-lieu. Et moi, je pense que ce non-lieu va amener un état de fait de violence terrible en Martinique, parce que le mépris amène la violence. Alors, c'est pourquoi on dit que cette loi programme qui est initiée par le député Marcel Nadeau, cette loi programme, il faut qu'on puisse avancer dans cette loi pour effacer cette humiliation qu'on a apportée pour le peuple martiniquais et guadeloupéen. Monsieur le Président, Monsieur Pierre-Charles. Oui, je voulais juste remercier les députés pour les questions pertinentes qu'ils ont posées. C'est important. Et je voulais profiter de l'occasion pour dire à tous les mouvements, à toutes les organisations, à tout le mouvement social de France que les protestations que nous avons faites en Martinique, en Guadeloupe, sont importantes. Nous allons les poursuivre dans toute la mesure des nécessités. Mais nous pensons qu'il sera aussi important que l'opinion démocratique, que l'opinion progressiste, que l'opinion populaire en France se manifeste à nos côtés, parce que c'est ensemble que nous allons réussir à imposer à l'État, à imposer au gouvernement un changement de braquet dans cette question-là. Ça ne peut pas être une question simplement qui reste sur le dos, à la charge des populations de Martinique et de Guadeloupe. Merci, M. Pierre-Charles. M. le Président Flower, pour cette dernière intervention. Alors, comment rassurer les populations en question posée ? Ça me paraît vraiment difficile tant qu'on n'a pas une attitude qui est comparable à celle qu'on a eue au moment de la crise Covid, avec une formule qui est bien connue, le « quoi qu'il en coûte ». Quoi qu'il en coûte, je pense que là, maintenant, il faut mettre sur la table les moyens qu'il faut pour correctement cartographier, pour correctement indemniser les victimes, et puis surtout sécuriser dans le temps ces moyens avec une loi programme, comme ça a déjà été indiqué par l'ensemble de mes collaborateurs. Et je voudrais simplement terminer en remerciant l'Assemblée nationale et le député Nadeau de nous permettre d'être les maillons d'une chaîne qui part vraiment du terrain de nos populations et qui remonte jusqu'aux Nations Unies, jusqu'au niveau supranational, qui est lui aussi conscient des problèmes qui se posent dans nos territoires et qui rame aussi dans la même direction pour que l'ensemble de ces inégalités soient réduites dans le temps. Merci. Merci, merci messieurs. Je remercie nos trois invités, monsieur Yvon Sérénie. Merci pour leur participation à nos travaux. Nous allons passer à la seconde partie de ce débat. Je suspends la séance pour 2 minutes, le temps que le ministre arrive, et nous reprenons immédiatement après. Merci, messieurs.
prise. Chers collègues, je vous invite à revenir à vos places. Je vais laisser monsieur le ministre délégué chargé des Outre-mer, je vais lui laisser la parole immédiatement dès que tout le monde est arrivé et installé. Je crois que c'est le cas. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les députés, je suis très heureux, également en présence des représentants de la société civile, d'être parmi vous pour faire un point d'avancement sur le plan chlordécone. Et naturellement, au nom du gouvernement, je répondrai à vos questions. Chacun le sait, il vient d'y avoir un colloque important. C'est un sujet qui touche, bien sûr, les Guadeloupéens, mais également les Martiniquais. Et d'ailleurs, lorsque je suis allé en Martinique, le mois dernier, j'ai participé à la première partie d'un comité de pilotage local, et j'ai pu échanger avec l'ensemble des acteurs locaux. Je crois que ce sont des débats riches, sans concession. Et je sais à quel point ce sujet a suscité et suscitera, bien sûr, dans les mois et les années qui viennent, encore de vives émotions de la part de toutes les parties prenantes et, naturellement, au premier rang desquels, les citoyens. Je vous rappelle que, pour l'histoire, parce que l'histoire, il ne faut pas la négliger, elle est importante. Cette histoire, elle revient à l'interdiction d'usage de ce produit en 1993. Je tiens à rappeler quand même qu'en février 1992, il y avait à nouveau des autorisations qui avaient été données. C'est le président de la République qui, en 2018, le premier, a acté la responsabilité de l'État. Il a acté la responsabilité de l'État lors d'un discours au Morne Rouge. Et je le cite, « La pollution à la chlordécone est un scandale environnemental dont souffrent la Martinique et la Guadeloupe depuis 40 ans. » Tout cela, c'est le fruit d'une époque qui est désormais révolue. Et il faut bien le dire, la conscience environnementale était moindre qu'aujourd'hui. Ce fut aussi le fruit d'un aveuglement collectif. Je pourrais vous donner, si vous voulez, le contenu intégral de sa déclaration, mais chacun en a eu connaissance. Donc, vous dire qu'en fait, et vous connaissez mon histoire professionnelle, je suis extrêmement attaché à ce qu'on soit en capacité, justement, à la fois d'informer celles et ceux qui ont été victimes de la chlordécone, car c'est un scandale d'État, à la fois de mieux protéger, et un certain nombre de dispositifs sont en place, et puis de réparer autant qu'on peut le faire, et en tout cas, on doit le faire avec une exigence de tous les instants. Tirer les leçons et les conséquences de ce drame de la chlordécone est une exigence pour tous, et naturellement, et c'est bien que le Parlement, comme la société civile, mais comme tous les intervenants, aient pu prendre ce sujet à bras-le-corps. Qu'en sera-t-il dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ou dans 50 ans, ou que sais-je encore? Personne ne le sait complètement, puisque, par exemple, la rémanence de ce produit, donc en clair, le fait de son extinction dans le temps, n'est pas encore suffisamment connue. Et je dirais que, pour cela, nous avons mis en place des moyens d'investigation, notamment des moyens de recherche considérables. Donc, il y a eu 9 ministères qui ont été mobilisés suite à ces déclarations pour trouver les solutions dans les 3 directions dont j'ai parlé tout à l'heure, informer, protéger, réparer. À la fois, bien sûr, ces 9 ministères, à la fois le directeur général de la Santé, la directrice des Outre-mer qui m'entoure, et puis une directrice de projet qui a été placée auprès d'eux pour la mise en place de 47 mesures dans tous les secteurs. Au niveau déconcentré, ce sont naturellement les préfets qui ont été mobilisés avec les agences régionales de santé, avec la volonté, vous l'avez bien compris, c'est de sortir de ce risque chlordécone. Ça ne se fera pas, cette sortie, s'il n'y a pas de dialogue. Et pour vous dire, j'avais été assez impressionné par l'esprit de responsabilité, la qualité du dialogue que j'avais pu avoir lors de la réunion en Martinique à laquelle j'avais participé. Et en vous disant très simplement et très directement, avec beaucoup d'humilité, que s'il y a un plan ambitieux qui est sorti, nous sommes à l'écoute. Je dis bien, nous sommes à l'écoute pour améliorer encore les dispositifs, continuer de mieux informer et sensibiliser, tant j'ai pu constater que l'information n'était pas totalement diffusée au sein de la population. Donc cette importance de l'information, de la prévention, de la réparation par l'action, sont à mes yeux des exigences. Il faut parler de la chlordécone, oui. Je pense que ne pas en parler sur une nouvelle faute, et bien au contraire, il n'est pas un mot qu'on doive laisser de côté. Il n'est pas non plus, je crois, il est indispensable à mes yeux, pardon, qu'on soit en capacité aussi de tordre le cou à des arguments faux qui circulent. On a suffisamment déjà à gérer les conséquences sans pour autant emmener sur des pistes dont on sait très bien qu'elles conduiraient encore à de nouveaux drames. Donc on ne reviendra pas en arrière. En revanche, ce qu'on doit faire, c'est anticiper et préparer l'avenir.
Et donc, ce qui est au cœur de nos préoccupations, c'est l'humain, et nous serons là. Alors, informés. Informés, c'est le fameux plan Chlordécone 4, qui est ambitieux, je crois, sur tous ses volets. Il faut rétablir quelques vérités scientifiques, une fois de plus. Le scientifique que je suis dit que nous ne connaissons pas encore tout, ayons la faiblesse de le dire. De dissiper certains fantasmes, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont grandes et qu'on doit naturellement pas relayer sans qu'elles soient fondées, mais en revanche dire les choses très clairement telles qu'elles sont. Non, tous les sols ne sont pas contaminés. Vous savez qu'il y a une cartographie des sols qui a été faite, et cette cartographie des sols le prouve, et on peut cultiver des produits sains encore, sans difficulté. Donc il ne faut pas expliquer que tous les sols sont contaminés, ça n'est pas vrai. Non, pour l'instant, on ne peut pas dépolluer les sols avec certaines plantes, on a lu cela. Nous travaillons dans les programmes de recherche pour voir comment, je le disais dès le début de mon propos introductif, pour que cette dépollution des sols, qui passe peut-être par justement de nouvelles cultures, qui seraient susceptibles de chélater, donc d'absorber cette molécule, eh bien, pour le moment, nous en sommes à l'état de recherche. En terre polluée, on peut cultiver par moment des végétaux en fonction de leur sensibilité, mais ce qui est important, c'est la concentration finale, et on sait que là-dessus, on a des capacités à faire des dosages qui fonctionnent bien. On ne peut pas dire non plus que l'eau qui coule au robinet n'est pas potable. Je rappelle que là encore, il y a des dosages qui sont faits, et les normes s'imposent. Comme pour les dérivés atrazinés dans l'eau, comme pour les dérivés de nitrate, il y a des normes. D'ailleurs, je rappelle aux parlementaires qui sont là, pour les dérivés atrazinés comme les dérivés de nitrate, c'est la France qui a mis des doses qui sont infra par rapport à celles que l'on voit dans l'Union européenne. Également des dosages qui sont faits dans le sang. Et donc, vous dire qu'à l'heure actuelle, on va pouvoir sortir du risque, risque chlordécone, mais ça va se faire dans le temps. Mais il faut dire aussi que ça n'est pas la totalité de la population qui est touchée, mais une partie, on le sait. Beaucoup de dosages sont faits, plus de 30 000 dosages qui ont été faits. Alors, protéger, c'est quoi ? D'abord, la connaissance qu'il faut partager massivement, mesurer cette chlordécone, donc la chlordéconémie. Et je rappelle que la prise en charge est totale pour les dosages sanguins. La prise en charge est totale pour les dosages dans les terres à cultiver. Rappelons aussi qu'une question m'a été posée par Olivier Serva, et je suis en mesure d'y répondre cet après-midi, puisque je n'avais pas les informations complètes. Et je remettrai d'ailleurs pour les parlementaires qui sont là un petit document qui est un point de situation. À date, il m'a demandé très clairement de donner les résultats du chlordécone tels qu'ils avaient été faits par les ARS. Je me suis engagé devant lui et naturellement, les parlementaires, vous recevrez ces résultats de dosage de chlordécone. Et je tiens à rappeler qu'en Guadeloupe, c'est l'Institut Pasteur qui permet de faire les dosages. Donc, il n'est pas nécessaire de les renvoyer dans l'Hexagone, mais nous pourrons les faire sur place. Et en Martinique, au départ, le CHU était équipé, mais il n'y a pas de biologiste en compétence pour faire cela. Donc, c'est un laboratoire privé avec lequel la contractualisation a lieu. C'est important. Ça veut dire aussi que ces dosages peuvent être réalisés dans ce territoire de Guadeloupe et dans ce territoire de Martinique. Réparer, c'est reconnaître, après cette dimension de protéger, vous l'avez bien compris. Et d'ailleurs, je tiens à dire un dernier chiffre pour protéger. 75 à 85% de la population est en dessous du seuil de risque. En dessous du seuil de risque. Ça veut dire que 20 à 25% sont concernés. Il faut dire les choses. 75%, c'est pas moi, ce sont les dosages dont on dispose, mais les histogrammes de répartition sur la population sont tout à fait accessibles et permettront de le prouver. Surréparer, réparer par l'action, c'est reconnaître le préjudice qui a été causé, ainsi d'ailleurs que le président en parlait. Réparer, c'est évidemment agir sur les conséquences de la chlordécone, qui sont multiples et complexes. Réparer, c'est avoir un plan avec et pour tous. Réparer, c'est aussi le sujet de la confiance, parce que ces produits-là, aucun réveil des consciences entre 1993 et 2018. Où étaient les consciences? Les mêmes qui avaient ciblé d'autres pesticides et sur lesquels des interdictions avaient été prononcées. Et là, une sorte de blackout généralisé où il a fallu, accordez-le-moi, 7 plus 18, 25 ans avant que la conscience collective ne se réveille par la voix du président de la République. Pour autant, il y a un sujet, et qui est vrai, c'est qu'un lien qui s'est distendu entre les Martiniquais, entre les Guadeloupéens, et on peut dire l'État central. Et donc, justement, au travers de ce plan chlordécone, au travers de cette volonté de protéger, de réparer, eh bien, il est indispensable que ce lien puisse se reconstituer.
Alors, ce dosage de la chlordécone dans le sang, j'en ai parlé. C'est 30 000 analyses qui ont été effectuées. Il y a un fonds d'indemnisation de victimes des pesticides qui est en place pour les personnes exposées à titre professionnel et à tous les pesticides. Et à l'heure où je vous parle, 150 dossiers ont été reçus. 80 accords ont été donnés. D'autres sont en cours d'instruction. Et je tiens à associer les associations des maires. D'ailleurs, le directeur de l'association des maires de Martinique était présent lorsque j'étais en Martinique. Nous allons nous appuyer, et d'ailleurs j'ai eu cet échange la semaine dernière dans le cadre des rendez-vous du CIUM avec les présidents de l'association des maires, pour relayer auprès de la population les dispositifs que nous avons mis en place de façon à ce que la population sache que ces dosages, tant dans le sang que pour les terres, puissent être effectués naturellement. Et bien sûr, il y a encore ces cancers de la prostate qui est reconnu comme maladie professionnelle depuis 2021, c'est une étape importante, et l'État finance les phytovictimes pour que les victimes soient aidées gratuitement par leur démarche. Et bien sûr, une grande majorité de ces cancers, il faut le dire, sur la prostate, concerne les Antilles. Inutile de le nier, c'est la stricte vérité. Deuxième point, un centre régional de pathologie professionnelle et environnementale, subventionné par l'État, est en cours d'ouverture dans tous les territoires, et une consultation de toxicologie est en service, en fonctionnement au CHU Martinique. Les travaux de contrôle de denrées alimentaires de l'État sont amplifiés. Le taux de conformité est supérieur à 97% dans Martinique. Et l'eau potable, je l'ai dit, à 100%. Je tiens à le dire, comme je l'avais d'ailleurs dit dans une question au gouvernement, Olivier Servat, il y a eu un dépassement en 2023. À date, aujourd'hui, il n'y en a pas eu d'autres en 2023. Et en 2022, il y avait eu, je crois, une conformité absolue. Et en tout cas, nous tenons à disposition, une fois plus, ces dosages de chlordécone. Et parce que c'est la moindre des choses, comme d'ailleurs à Mayotte, j'avais demandé que pour les communes, elles soient destinataires des dosages d'eau, ça me paraissait la moindre des choses. Sur la recherche, les travaux financés par l'État sont amplifiés avec la communauté scientifique. L'ANR, l'Agence nationale de la recherche, a financé pour la première fois un appel de projet dédié à la chlordécone avec un budget de 5,5 millions d'euros à la clé, en partenariat avec la région Guadeloupe et la communauté de Martinique, qui ont contribué chacune à hauteur de 1 million d'euros. Il y a un colloque qui a eu lieu, plus de 300 participants, donc une très large mobilisation de la communauté scientifique. Sur la recherche, je tiens à dire qu'on va monter en puissance, puisqu'on passera de 26 à 50 millions d'euros sur le programme de recherche. Au final, sur la chlordécone, en 2024, on sera à pratiquement 130 millions d'euros qui seront 130 millions d'euros mobilisés pour la chlordécone. Enfin, sur les pêcheurs, puisqu'il y a eu une aide qui a été mise en place en 2022 pour compenser les montants de leurs cotisations CSG et CRDS, il y aura un nouveau dispositif en 2024 qui sera simplifié et qui correspondait à leurs souhaits. Je voudrais enfin, pour ne pas être trop long et répondre à vos questions, vous dire, vous avez bien compris que déjà, simplification des eaux pêcheurs sera mise en place en 2024 et prolongée jusqu'en 2027. Ça nous permettra d'aller plus loin et ça sera probablement nécessaire. Une aide aux éleveurs de bovins impactés qui s'engagent dans une démarche de sécurisation de leur viande sera opérationnelle dès janvier 2024 avec un accompagnement technique et une prime d'engagement de 160 à 200 euros par animal. J'ai parlé du doublement des crédits de la recherche à horizon 2030, l'objectif étant 52 millions d'euros mobilisés en 2030. Donc, par rapport au budget initial tel qu'annoncé en 2018 et surtout finalisé en 2020, nous serons passés au final de 92 millions d'euros à 130 millions d'euros. Les prochaines étapes, d'abord que chaque citoyen puisse vivre sans risque de chlordécone. Une question se pose d'ailleurs sur l'eau de lavage des bananes. Hein. Donc moi, peut-être cette question viendra-t-elle tout à l'heure. Je trouverais tout à fait normal qu'on puisse faire aussi des dosages de chlordécone dans ces eaux avec lesquelles on fait des lavages de bananes. Il faut que le doute disparaisse. Et si les dosages sont supérieurs, eh bien, ça sera interdiction de l'usage de ces eaux-là. La seconde chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que là, on aura besoin des élus, des parlementaires que vous êtes, mais surtout également des maires qui sont en première proximité. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais cette information doit diffuser de façon jusqu'à tous les concitoyens. La troisième chose, naturellement, c'est que lorsqu'il y a des demandes de dosage complémentaires, on soit en capacité de répondre. S'il y a une évaluation qui est souhaitée, si le Parlement souhaite à un moment pousser une évaluation sous quelque forme que ce soit, moi, je suis complètement favorable. Si on a un dispositif public, il doit être, et c'est le travail du Parlement, j'aurais mauvaise grâce à dire le contraire, que de faire cette évaluation de ce que nous avons mis en place. Par exemple, sur les dosages de ces... Je crois qu'il était indispensable qu'on puisse avoir cette cartographie, et notamment les cartographies des terrains, pour voir si ou non, dans le temps, avec les procédures de recherche que nous avons mis en place, on arrive à avoir une diminution de la concentration de la chlordécone là où
elle a été constatée là où elle était trop importante. C'est un scandale environnemental, n'ayons pas peur de le dire. Et ce scandale environnemental, je salue l'arrivée d'Olivier Servat. Je disais, monsieur le député, avant que vous n'arriviez, que vous m'avez demandé les résultats de dosage, vous les aurez. On a un petit guide avec une cartographie qui vous sera remis, mais l'ensemble des parlementaires recevront ce que vous m'avez demandé lorsqu'on a eu l'occasion d'en parler ensemble. En conclusion, je crois qu'il faut la mobilisation de tous. La mobilisation de tous, c'est qui? Ce sont bien sûr les parlementaires, les élus locaux. C'est évidemment les citoyens, parce qu'il n'y a aucune question qui soit taboue. Il y a eu une fois de plus un scandale d'État sur cette affaire-là. Et qui dit scandale d'État dit resserrer les liens de la confiance, retisser les liens de la confiance et faire en sorte qu'on soit en capacité de mettre et qu'on rende accessibles les critères d'évaluation. Donc besoin de tout le monde, bien sûr. S'il y a des colloques encore à animer, au-delà des comités locaux, je sais qu'Agnès Firmin-Lebaudeau était en Martinique il y a quelques jours, elle a animé également une réunion chlordécone. Et je crois que les parlementaires, vous êtes plus que légitimes pour faire des propositions qui permettent de renforcer le dialogue, le débat, l'écoute réciproque, de lever les tabous s'il y en a encore, et sachant que nous ne connaissons encore pas tout de cette histoire. Donc je viens de lire à l'instant sur toute proposition parlementaire, et en tout cas, au-delà de tout ça, j'aurais juste terminé en vous disant, soyez assurés de mon investissement personnel dans cette affaire au nom du gouvernement, puisque vous étiez d'ailleurs l'autre jour aux présentations du plan Ecophyto aux côtés de Marc Fesneau, ensemble de ministres et de collègues. Chaque fois qu'il y a une solution de substitution, on doit la prendre. Chaque fois qu'il y a un doute sur un produit et sur lequel toutes les évaluations n'ont pas été faites, eh bien, on doit se mettre en état de surveillance absolue. Et moi, je m'engage à ce que les travaux de recherche qui seront effectués, vous avez vu que c'est un programme puissant d'ici 2030, il puisse y avoir une communication au Parlement qui soit faite, bien sûr, aux élus locaux pour que la capillarité se fasse à tout niveau, chaque année, en fonction de ces travaux de recherche, pour qu'ensemble, on progresse et qu'on trouve enfin les solutions qui permettront de réparer ce qui est indispensable à mes yeux, c'est de restaurer un lien de confiance, d'apporter à celles et ceux qui habitent en Martinique, en Guadeloupe, la sécurisation sur l'eau, sur l'usage des sols, sur les productions agricoles à venir, de manière à ce que ce drame que l'on a connu, on ne le reconnaisse pas encore. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Une série de questions par groupe politique. Alors, je vous invite, chers collègues, à bien respecter le timing pour que tout le monde puisse poser sa question, et le ministre également. C'est 2 minutes maximum de questions, 2 minutes de réponses. Et on commence évidemment avec monsieur Nadeau pour le groupe GDR. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur le ministre, vous parliez de rétablir la confiance. Je dois vous dire que, à ce que nous avons entendu venant des experts, elle est fortement malmenée. Il n'est pas, pour nous, on ne voudrait pas dire que rien n'a été fait. Bon, il y a l'exemple notamment de la restitution, je veux dire notamment à la collectivité de Martinique, et des moyens sur la question de la dépollution de l'eau à travers l'usine de Vivet. Donc il y a quelques avancées, mais on est bien loin du compte, comme l'ont indiqué très clairement les experts. Parlant de la rémanence et de la présence, de la persistance de cette problématique du chlordécone, vous l'avez évoqué, la question du lavage des bananes avec de l'eau polluée, dont on sait qu'elle est polluée, puisqu'un certain nombre de pêcheurs, notamment d'eau douce, s'adonnant à l'activité de pêche aux écrevisses, ne peuvent plus exercer leur métier parce que la pêche dans ces rivières est interdite. Pêche interdite pour les uns, et autorisation d'utilisation de l'eau pour les autres. Que fait l'État sur cette question, monsieur le ministre? Vous nous dites si, mais il est urgent d'agir. Donc, quelles sont les modalités de votre action, très concrètement, très précisément, et essayez autant que possible de nous donner des éléments de calendrier. Merci. Quatre plans chlordécone, peut-être, mais tous nos interlocuteurs de l'heure précédente nous ont clairement indiqué qu'il fallait un plan plus ambitieux à travers une loi de programmation et d'orientation, ce que demande la collectivité territoriale de Martinique et ce que nous demandons également au niveau du groupe GDR. En plus, l'État peut-il être jugé parti dans ce contentieux, d'où la nécessité peut-être d'avoir, comme c'est le cas pour le nucléaire par exemple, d'avoir une autorité indépendante. Merci. Sur la mise en œuvre des modalités de réparation. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre.
Monsieur le ministre. Ah, on répond une par une, monsieur le président. Oui, c'est mieux, ça donne un peu de fluidité. Oui, monsieur Nadeau, j'entends bien que c'est le chlordécone 4. Merci de reconnaître vous-même qu'un certain nombre de progrès ont été faits, je crois, de façon assez sensible. Je crois avoir dit avec beaucoup d'humilité tout à l'heure que tous les résultats n'étaient pas là. Sur les bananes, vous avez répondu tout à l'heure. Si vous souhaitez que dans l'eau de lavage des bananeries, on fasse les dosages, on fait. S'il y a des non-conformités, elles ne sont pas utilisables. Soit il y a une autre substitution, s'il n'y a pas d'autre substitution. S'il n'y a pas d'autre substitution, il y aura un système d'indemnisation. Mais on ne va pas l'écrire aujourd'hui. J'entends la demande. On reviendra vers vous, on reviendra vers les bananiers de manière à ce que l'on trouve une solution. En tout cas, ces affaires de dosage de l'eau, l'eau de rinçage n'étaient pas pour le moment d'actualité. Sur les pêcheurs, je vous ai, je crois, un peu répondu tout à l'heure. En vous disant qu'un certain nombre de mesures avaient été prises de 2022, que pour 2024, il y aura un nouveau dispositif qui serait en place. Si votre question, c'est de dire qu'il faut aller à un certain nombre d'eau douce, aller faire des dosages encore plus nombreux, je vous réponds oui. Et si jamais cette eau n'est pas conforme en concentration en chlordécone, eh bien, on aura des systèmes, on a le FSOM, le Fonds de soutien aux Outre-mer, on activera des leviers d'indemnisation. Si vous me demandez le montant aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. En revanche, je vous engage à ce que sur ces deux pistes, on travaille. Voilà, monsieur le député, au moins, vous avez deux réponses très concrètes. Et on se reparle très rapidement. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe Liotte, monsieur Servat. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. 90%, c'est la part d'entre nous, monsieur le ministre, Guadeloupe et Martiniquais, qui vivons avec ce poison dans le sang. Et nous n'en détenons pas l'antidote. Nous battons d'ailleurs le triste record au monde, des territoires les plus touchés par le cancer de la prostate. Un taux d'incidence record, 200 cas pour 100 000 habitants, contre 90 en Hexagone. Un taux de mortalité du cancer, particulièrement haut lui aussi, 23 décès pour 100 000 habitants, contre 9 à l'échelle nationale. Mais le cancer de la prostate ne doit pas éclipser les autres cancers en forte recrudescence sur nos territoires. Les dépistages de chlordécone gratuits, pour tous, et l'indemnisation des ouvriers des bananeraies, oui, dont on a encore du mal à voir l'effectivité, car souvent ces personnes sont décédées, je rappelle que ça s'est arrêté en 92, ou elles n'étaient pas déclarées. Monsieur le ministre, le moindre mal serait également la mise en place d'instituts de cancer en Guadeloupe et en Martinique, à l'instar de celui de la Polynésie française, là où les essais nucléaires commandités par l'État ont provoqué de nombreux cancers. Première demande. Actuellement, les services d'oncologie des structures médicales de Martinique et Guadeloupe ne disposent pas de suffisamment de moyens. Les patients qui le peuvent quittent pour une longue durée de convalescence leurs proches, leur emploi, leur territoire, afin de se faire soigner dans l'Hexagone. Et pour les autres, l'issue est souvent fatale. Tenez, le service de chimiothérapie de la clinique des Eaux Claires à Bémao, Guadeloupe, l'un des rares du territoire, a été à l'arrêt non moins de 6 semaines cet été, enfin, juillet-août, au motif d'une panne de matériel. 6 semaines d'attente, c'est une éternité pour un patient atteint du cancer. Autre anomalie, le cyclotron sur lequel le cancer de la prostate, premier cancer en Guadeloupe, ne peut pas être testé pour des questions de manque de professeurs, etc. Ces situations sont inacceptables. Les populations de Guadeloupe et de Martinique méritent déjà... monsieur le président, monsieur le ministre, un plan Marshall, des structures de soins d'oncologie aux Antilles, voilà une démarche qui permettra à l'État de montrer aussi sa volonté de responsabilité. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, on va commencer par le premier sujet, celui du cancer. Vous savez que c'est une mesure du CIOM. Il est absolument inacceptable, et je le dis avec beaucoup de force, que dans les territoires ultramarins, les cancers soient pris en charge 2 à 3 fois plus lentement que dans l'Hexagone, et avec une mortalité, avec un taux de mortalité extraordinairement important. C'est une mesure et on va même accélérer puisque vous verrez qu'il y aura quelques crédits complémentaires à l'issue du débat budgétaire. Il va y avoir donc, en liaison très étroite avec Aurélien Rousseau, avec Agnès Firmin-Lebaudeau et votre serviteur, dans quelques jours, je crois que c'est tout début décembre, un groupe contact qui va être mis en place de manière à ce qu'on trouve les méthodologies pour la prise en charge plus rapide, pour que les protocoles soient opérationnels naturellement dans les territoires ultramarins, que si jamais il y a des cas très particuliers qu'il faille une prise en charge hexagonale, voire interrégionale, s'il peut y avoir même des accords avec les territoires environnement.
tout cas, là, c'est un objectif de résultat avec des index que nous mettrons en place et que vous pourrez consulter avec moi, car je ne laisserai pas ces cancers avec ce délai de prise en charge actuel. Vous aurez donc des traductions budgétaires et surtout une méthodologie. Je suis tout à fait prêt à vous communiquer après cette commission dans les toutes prochaines semaines et vous verrez qu'on s'est emparé de cette question-là. C'est une question d'égalité indispensable et une question même de survie pour un certain nombre de patients et nous serons au rendez-vous, je vous le confirme. La deuxième chose, monsieur le député, sur les travaux de recherche sur l'impact de la chlordécone, je vous rappelle qu'avec l'INCa, il y a un travail de recherche et l'INSERM qui a été mis en place avec les CHU de Martinique et Guadeloupe. Donc ça va en même temps améliorer la connaissance des conséquences de l'usage de la chlordécone sur les différentes pathologies. Et enfin, dernier mot, puisque si le président m'y autorise, vous avez dit 90% de la population est contaminée. Non, 90% de la population a de la chlordécone dans son sang, mais je vous rappelle que le dosage, il y a un dosage limite qui est acceptable. C'est comme les nitrates dans l'eau. À moins de 50 mg, il n'y a pas de pathologie. Donc pour toute concentration d'une molécule, on a toujours un minimum de concentration. Ce qu'il faut, ce n'est pas être au-dessus du seuil limite. Donc je vous rappelle simplement qu'il y a 80% de la population pour lesquelles nous sommes en dessous du seuil limite. Je ne vais pas être plus long, monsieur le Président, mais c'est important de faire cet amendement de précision. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe Renaissance, madame Cécile Rilhac. Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis la révélation, il y a une vingtaine d'années, de l'ampleur de la contamination des sols et des rivières par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, les exigences de transparence, de réparation et d'action quant à cette pollution environnementale se font entendre de manière répétée et légitime par les populations impactées, mais aussi par l'État lui-même. Je veux rappeler ici l'engagement de notre majorité sur ce dossier d'une grande importance pour ces territoires ultramarins. Lors de son déplacement dans les Antilles en 2018, le président de la République avait pris un certain nombre d'engagements pour protéger les populations locales contre la pollution du chlordécone, engagement qui s'était traduit par la mise en œuvre d'une feuille de route interministérielle spécifique entre 2019 et 2020. Vous-même, vous venez de nous le rappeler, monsieur le ministre, dans vos propos liminaires, que cette question restait d'actualité pour le gouvernement et que des réponses étaient apportées au travers du plan chlordécone 4. Ma question portera sur l'un des chantiers prioritaires à mes yeux et qui correspondait à la sixième recommandation formulée dans le rapport de la commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticide agricole dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique, rapportée par Madame Justine Bénin et présidée par Monsieur Serge Letchimy. Cette commission d'enquête, dont j'avais été secrétaire, a rendu son rapport en 2019 et nos conclusions avaient été extrêmement consensuelles. Ainsi, nous proposons de soutenir la recherche et l'innovation pour mieux évaluer les effets des pesticides et des mélanges sur l'environnement et la santé humaine et de mettre au point des méthodes alternatives à l'utilisation des produits chimiques. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer plus précisément quels moyens sont prévus par l'État pour maintenir à un haut niveau nos recherches destinées à mieux protéger les populations, mais aussi les animaux terrestres et marins et l'environnement contre les conséquences de la pollution du chlordécone, mais aussi les moyens qui servent à cartographier ces territoires. Je vous le remercie. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, madame la députée. Monsieur le ministre. Merci, madame la députée. Merci, monsieur le président. Vous avez raison, en fait. Le cœur du réacteur nucléaire de cette affaire, c'est quoi? C'est d'être capable de mobiliser la recherche. Cette mobilisation de la recherche, elle est indispensable. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait déjà un objectif financier qui était assigné. C'est de passer de 26 à 50 millions d'euros à l'échelle 2030, c'est-à-dire dans 6 années. Je vous rappelle qu'il y a eu un rapport parlementaire de la sénatrice Catherine Procaccia qui a été publié en mars dernier et au nom de l'offre parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une dynamique qui est engagée. La première, c'est début octobre, avec un programme de recherche prioritaire sur la santé de la femme et des couples qui intègrent la chlordécone. Parce qu'il faut se pencher aussi sur les problèmes de fertilité. Il faut se pencher aussi sur la naissance d'un certain nombre d'enfants dont on peut imaginer qu'il peut y avoir une imprégnation de chlordécone et voir s'il n'y a pas de problème pour leur développement. La seconde chose, c'est que dans le cadre du programme France 2030, vous savez, qui accompagne des projets innovants, il va y avoir la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des démonstrateurs territoriaux pour une alimentation durable, parce qu'on a vu que l'alimentation avait une incidence forte sur l'élimination de la chlordécone. C'est pour ça que quand je parlais de la rémanence tout à l'heure, il y a les changements de pratiques alimentaires qui interviennent. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre dans le temps pour ce qu'on appelle les bonnes pratiques en matière d'alimentation. Et on se fera aider par les nutritionnistes en particulier. Et enfin,
que ce qui est essentiel, c'est 2 millions d'euros que nous allons mobiliser pour l'observatoire Opal, qui intègre le suivi du chlordécone dans deux bassins versants antillais, dans le programme prioritaire de recherche d'outre-mer. Donc vous voyez que ce sont trois dimensions, mais je le dis ici devant la présentation nationale, s'il y a naturellement d'autres programmes de recherche pour lesquels un soutien doit être effectué, nous le ferons, notamment on pourra, sur ce qu'on appelle la cartographie des sols, aller beaucoup plus loin, savoir dans quelle mesure, parce que cette question m'a été posée, d'ailleurs Olivier Servat me posait la question sur le maillage le plus fin de la cartographie des sols, je termine, Monsieur le Président, et si jamais il doit y avoir des programmes de recherche pouvant accompagner à une meilleure connaissance, nous le ferons. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe du Rassemblement national, Madame Goulet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour ce débat sur le chlordécone, et rappeler que Marine Le Pen avait porté ce sujet dans le débat national en 2018, ici à l'Assemblée. Dès lors, nos compatriotes aux Antilles ont développé une extrême méfiance légitime vis-à-vis de l'État. Par ailleurs, nos compatriotes en Guadeloupe et en Martinique ont déploré et déplorent toujours les hésitations des pouvoirs publics dans la prise de conscience de la pollution, l'absence de réponse politique efficace et l'absence de communication. Parmi beaucoup d'actions qu'il faudrait engager, il faut parler du financement. Nous prenons bonne note des crédits prévus au budget de l'État pour le plan chlordécone 4 qui couvre la période 2021-2027. Mais au-delà du budget de l'État, il serait utile de demander d'avoir un point d'étape et demander davantage de financements européens qui ne sont pas, comme on le rappelle à chaque occasion, qu'un retour partiel de l'argent des contribuables français. Le dernier plan prévoit en effet 92 millions d'euros, dont 16 prises en charge par des fonds européens, ce qui est très faible. Le dernier bilan d'étape du plan montre que seulement 2 millions d'euros de fonds européens ont été engagés et zéro exécuté. Malheureusement, il faut dénoncer aussi qu'au Parlement européen, les propositions qui sont faites par notre formation politique ne sont pas examinées pour de tristes raisons politiciennes et qui sont étrangères à l'intérêt général qui concerne les Antillais. Donc je pose la question, n'y a-t-il pas un problème de dimensionnement et de mobilisation des fonds européens sur ce dossier? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le Ministre. Voilà, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, vous savez, tout à l'heure... Suis-je censuré? Non, pas encore, Monsieur le Président. Non, je blague. Madame la députée, je disais tout à l'heure que le président de la République avait été le premier à briser le silence. Vous savez, moi, je vous invite à relire ce qui s'est passé dans les années 88-93. Je vous invite à relire ce qu'ont déclaré certains hommes et femmes politiques dans cet intermède de 25 années. Reconnaître qu'il y a eu une faute gravissime, comme il l'a fait, et déclencher un plan tel que nous le portons, certes avec ses imperfections. Mais sur le plan budgétaire, ce plan, il est à la hauteur. Il est à la hauteur du préjudice pour ces hommes et ces femmes qui ont été injustement exposés, à qui on a menti, à qui on n'a pas expliqué quelles étaient les conséquences. Et une fois de plus, on verra dans le temps ce que ça donnera. Et vous dire que je crois que là, nous sommes au rendez-vous pour la recherche, nous sommes au rendez-vous pour les indemnisations. Et je sais qu'il y a eu des difficultés pour monter les dossiers d'indemnisation et on a donné des consignes très fermes pour qu'on soit à la hauteur du rendez-vous. Alors après, vous m'interrogez sur l'Europe. Ça fait plaisir de voir quelques velléités positives de l'Europe pour nous accompagner sur le financement. On n'a pas attendu l'Europe, mais si on peut les mobiliser plus encore, croyez bien qu'on le fera. Quand on met 130 millions d'euros sur la table, mais il y a d'autres pays, pas européens, mais d'autres pays qui utilisaient la chlordécone, qui ont été un peu plus agiles que nous à une époque. Je vous invite là encore à regarder l'histoire, malheureusement, de la politique. Et j'ai regardé cela en détail. Donc là, nous sommes à la hauteur d'un état de responsabilité, en lien avec ceux qui sont les représentants du peuple, que vous êtes tous, et en disant que nos concitoyens ne sont pas sourds parce qu'ils voient maintenant qu'on les entend. Et que ce drame, on va le réparer ensemble. Et ce drame, on y mettra à la fois l'énergie, la transparence et l'exigence que cela mérite. Et nous serons là. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe LFI, Monsieur Jean-Philippe Nilor. Oui, Monsieur le Ministre, quoi que vous disiez, les moyens à ce jour déployés par l'État ne sont pas à la hauteur.
Nous sommes face à un scandale d'État. Et ce scandale est aggravé par la décision de non-lieu qui est mal perçue dans nos territoires. Aujourd'hui, la confiance a totalement disparu. Et pour restaurer cette confiance-là, il faudra bien plus que des discours, des promesses, mais des actes concrets. Des actes concrets, c'est ce que nous attendons collectivement. Et pour ça, il faut tirer des enseignements de l'histoire. Et comment comprendre qu'une molécule appelée Azulox ou Azulam, qui est utilisée dans les champs de canne à sucre, qui est un herbicide hyper toxique reconnu comme perturbateur endocrinien, retiré au niveau européen depuis 2011, ait été utilisé pleinement dans les champs de canne de Guadeloupe et de Martinique et de La Réunion aussi, jusqu'en 2019. Jusqu'en 2019. C'est la preuve qu'on n'a pas tiré tous les enseignements de cette histoire tragique pour nous. Monsieur le ministre, aujourd'hui, ces actes concrets passent par le financement du Centre régional de pathologie professionnelle et environnementale de Martinique et par l'établissement d'un institut du même type en Guadeloupe. Ça, c'est du concret. La vie humaine, est-ce qu'elle a la même valeur de part et d'autre de l'Atlantique? Si oui, il n'y a pas de dosage acceptable de chlordécone pour nous et pas pour l'Hexagone. Si la réponse, c'est que vous n'êtes pas dans une logique à géométrie ou à géographie variable, merci. Nous avons droit pleinement à une réparation, merci. Comme les victimes de l'amiante dans l'Hexagone. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, je sens beaucoup de passion et d'émotion. C'est normal, non ? Mais je respecte à la fois cette émotion, cette passion. Je crois avoir pris une tonalité de beaucoup d'humilité en la matière, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on découvrira certainement dans le temps des évolutions que malheureusement on n'avait pas pu voir au départ. Vous dire quand même que ce n'est pas les paroles lorsqu'on met en place 130 millions d'euros de moyens. Ce n'est pas les paroles lorsqu'on met en place le dosage systématique pour les personnes exposées. Ce n'est pas les paroles lorsqu'on met en place les dispositifs pour aider les agriculteurs, pour aider doser les terres. Ce n'est pas les paroles lorsqu'on met en place, comme l'a demandé Olivier Servin, les dosages d'eau. Ce n'est pas les paroles lorsqu'on met en place pour les pêcheurs un dispositif pour faire en sorte de les accompagner si jamais la question a été posée tout à l'heure. En tout cas, nous sommes là. Ce n'est pas la parole si on met en place un programme de recherche ambitieux tel qu'il a pu être décrit tout à l'heure. Mais quand même, sur les modalités d'indemnisation, je le disais tout à l'heure, nombre de dossiers reçus, 146, 87 accords. Et à l'heure où je vous parle, il y a déjà 45 victimes qui ont déjà été indemnisées. Et il y a un soutien à l'association phyto-victimes. Et par rapport aux produits dont vous me parlez, j'ai compris, s'il est interdit par l'Union européenne, la France ne peut pas l'utiliser. Mais je peux vous rappeler, monsieur le député, vous le savez très bien, qu'en France, il y a beaucoup de produits phytosanitaires qu'on ne peut pas utiliser, qu'on utilise en Allemagne, qu'on utilise dans d'autres pays de l'Europe. Et nous sommes toujours avec des doses qui sont inférieures à ce que l'on peut voir auparavant. Et d'ailleurs, les agriculteurs, pour celles et ceux qui connaissent bien ces territoires, le président Chassaigne est là, ils le savent très très bien. Donc là-dessus, j'étais d'ailleurs, pour terminer, avec Marc Fesneau l'autre jour à la stratégie éco-phyto. Nous, on est là pour supprimer les pesticides, mais il faut aussi trouver des solutions pour les agriculteurs. Pas d'interdiction sans solution, mais il faut évidemment protéger les populations. Merci, monsieur le ministre. Au groupe socialiste, monsieur Johnny Hajjar. Pardon. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le ministre, à toutes et à tous. La justice a rendu une ordonnance de non-lieu pour des raisons principalement de prescription, alors même que l'empoisonnement de milliers de Guadeloupéens et de Martiniquais se poursuit. Je me dois d'interroger l'État qui a activement contribué à la commercialisation de cette substance létale malgré la connaissance de sa haute toxicité et qui est donc complice et co-responsable de ce scandale d'État. En effet, les conséquences de l'impact de ce que l'on peut qualifier de crime contre l'humanité et d'écocide sont catastrophiques. Je ne reprendrai pas les 95% de personnes contaminées, la santé des peuples, la grande partie des terres polluées, les familles d'agriculteurs touchées, condamnées à souffrir, et une économie de production locale affaiblie et fragilisée.
malgré la reconnaissance par le président de la République lui-même de la responsabilité de l'État, malgré le rapport de la commission d'enquête parlementaire présidée par Serge Letchimy et rapporté par Justine Bénin, qui identifie clairement l'ensemble des responsabilités, fait une analyse diagnostique sans concession des dégâts notamment humains, écologiques, environnementaux, et économiques et sociaux, et qui émet 49 préconisations pour sortir du chlordécone, malgré la reconnaissance de la négligence fautive de l'État par les juridictions, malgré la réalité publique visible et durable des conséquences de cet empoisonnement, la justice censée rendre justice à travers un droit pénal strict et froid décide d'un non-lieu pour prescription tout en reconnaissant l'existence d'une catastrophe sanitaire. Un crime avéré et des coupables connus et nommés, mais pas de sanctions. Une justice impuissante, au fond incapable de rendre justice, faisant seul constat un code pénal imparfait. Les victimes sont victimes d'empoisonnement, d'injustice, d'absence de réparation. C'est inacceptable. Comme nous le savons tous, il faut agir. L'inadéquation de la loi pénale a été posée par les juges d'instruction face à ce dossier judiciaire. Ça veut dire qu'il faut modifier la loi pour que la justice soit rendue. Alors modifions la loi pour que la justice soit rendue. Réparons les imperfections de la loi pénale et aidons. Sortons des plans chlordécone 1, 2, 3, 4 et faisons en sorte qu'il y ait une goutte d'eau dans un océan de souffrance et faisons en sorte que le droit des Français soit protégé dans un environnement sain. Mais deux questions rapidement. Acceptez-vous de mettre en place un processus juridique sécurisé permettant de modifier le code pénal et donc de déroger au droit commun afin de modifier les règles de prescription applicables à ce type de scandale, notamment sanitaire? Et acceptez-vous de mettre en place une loi programme de sortie du chlordécone prenant en compte au moins les 49 préconisations du rapport de la commission d'enquête parlementaire? Question posée, merci. Écrite le 19... Merci, monsieur le député. Le 16 janvier 2023, la ministre sans réponse. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Je démarrerai mon propos, monsieur le député, vous le comprendrez bien. Ce n'est pas une ficelle. Ce n'est pas d'éviter votre question. Comprenez bien que pouvoir législatif, pouvoir judiciaire sont séparés et pouvoir la justice est indépendante. Et je ne peux pas me permettre de commenter une décision de justice. En revanche, vous dire que l'important, c'est qu'on évite à nouveau ce drame. L'important, c'est qu'on informe de ce qui est fait. L'important, c'est qu'on protège les populations. L'important, c'est qu'on indemnise les victimes. Vous voyez, on n'a pas attendu une décision de justice, souvent les indemnisations. Regardez ce qui s'est passé pour l'amiante. Est-ce que le dispositif d'indemnisation de l'amiante est sorti avant des condamnations judiciaires? Non. Prenez les exemples. Quand je vois ceux qui étaient descendus à la mine, il y a des longues années, notamment en Auvergne ou ailleurs, les indemnisations sont venues après quoi? Après qu'il y a eu des cancers qui ont été révélés X fois. Là, on n'a pas attendu. Ça a été très bien dit par Olivier Servat sur la prise en charge des cancers, où on a un problème au-delà des cancers de la prostate qui concerne naturellement la chlordécone, dont on sait que c'est un accélérateur. Eh bien, on sera au rendez-vous. Donc, il fallait, et l'État n'a pas attendu que la justice, qui est indépendante et qui a rendu sa décision pour mettre en place tous ces dispositifs. Qu'il faille aller plus loin, oui, encore. Mais on ne pouvait pas attendre ce temps judiciaire, on a accéléré bien le contraire. Depuis 2018, vous m'accorderez, ces dispositifs sont en place, ils sont puissants. Une fois de plus, je suis à votre écoute s'il y a des suggestions particulières, si vous voulez qu'il y ait un point d'étape que nous fassions sur une évaluation, je voulais dire, dans mon propos liminaire, je suis prêt à le porter avec vous. Et on doit associer la représentation nationale à cela. En revanche, vous ne pouvez pas me demander de commenter une décision de justice, ce n'est pas mon travail, mais... Moi, mon travail, c'est quoi? C'est de faire en sorte que celles et ceux qui ont été exposés ou ceux qui seraient amenés à l'aide parce qu'il y a encore des rémanences, on évite justement ce nouveau drame. Et nous serons au rendez-vous pour cela. Merci, monsieur le ministre. On refait un tour des groupes politiques. Et pour le groupe GDR, monsieur Maillot. Merci beaucoup. Vous le savez, monsieur le ministre, moi, je suis élu à La Réunion et on n'a pas eu, nous, ce scandale de chlordécone. Mais c'est par solidarité avec mes frères et mes sœurs antillais que je suis là. Et rien de ce qui est de l'outre-mer, rien que de ce qui est humain, m'est étranger. 1975, j'espère ne pas faire d'anachronisme là-dessus. 1975, on a commencé à utiliser le chlordécone jusqu'en 93, et c'est en 2017 qu'éclate le scandale du chlordécone. La Réunion, on est le deuxième utilisateur du glyphosate. Est-ce qu'on va attendre le même temps ou est-ce qu'on prend d'ores et déjà rendez-vous pour parler du scandale qui va éclater bientôt du glyphosate? Voilà ma question.
Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, le scandale, il a éclaté en 2002, il n'a pas éclaté en 2017. Vous dire que, une fois de plus, de reconnaître une responsabilité d'État à un moment ou à un autre, c'est tellement rare dans la vie politique, tellement rare. Même si on n'est pas toujours d'accord avec le président de la République, c'est votre cas, au moins vous reconnaîtrez qu'il a été au rendez-vous, il a été au rendez-vous en disant ce qu'il a dit. Après, vous m'interrogez sur le glyphosate. Alors, je sais bien qu'en fait, par extension, à partir du chlordécone, votre raisonnement, je le comprends, il est somme toute assez logique, c'est de dire est-ce que ou non il y a un risque avéré. Bon, il se trouve que vous savez très bien qu'il y a une décision qui a été prise par l'Union européenne il y a encore quelques semaines. J'imagine pas qu'elle l'ait prise à la légère vu tous les drames auxquels on a pu assister en matière de sécurité sanitaire et alimentaire. Et je vous dis ça en tant qu'ancien rapporteur de la sécurité alimentaire à l'Assemblée nationale. Vous voyez. Fut un temps, il y a quelques années. Donc j'imagine pas que ça ait été pris à la légère, tant s'en faut. Et pour autant, je crois que vous avez pu voir que la France, en matière d'utilisation du glyphosate, vous savez que nous n'utilisons plus que 30% des doses que nous utilisions il y a 10 ans. Donc en fait, partout où on a pu éliminer cette utilisation sans même avoir des risques confirmés par des pathologies récurrentes, chroniques ou émergentes, en matière de cancérologie, la France a pris ses responsabilités et nous sommes parmi ceux qui ont, en matière d'intrants, fait les plus grands efforts. Mais après, et vous le savez, on a eu la même question sur les néonicotinoïdes, où des produits de substitution qui avaient pu être utilisés étaient, ça a été dit il y a quelques semaines, quelquefois plus toxiques que les autres. Là, en revanche, sur le glyphosate, il n'y a pas, à mes yeux, à ce jour, de connaissance des pathologies associées. Merci, monsieur le ministre. Au groupe socialiste, monsieur Baptiste. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Derrière les chiffres et les rapports qui ont été évoqués, il y a des vies brisées et des souffrances insupportables. Des familles qui ont vu leur vie basculer, de pères, de mères qui ont vu leurs enfants grandir dans un environnement empreint de toxines. Pire, il nous a intimé de vivre avec les conséquences de ce désastre sans que nous puissions désigner officiellement les responsables, de faire entendre nos peines ou encore moins obtenir réparation des préjudices subis, alors que dans un monde normal, il ne s'agirait que de justice réduite à sa plus simple expression. La commission d'enquête de 2019 a déclaré que c'était un scandale d'État. Et le tribunal administratif de Paris, en 2022, a pour autant mis en lumière les erreurs fautives commises par les services étatiques sur ce dossier. Aujourd'hui, la seule réponse entendable et acceptable serait de réparer financièrement des préjudices subis par les victimes du chlordécone, mais également de prévoir des outils qui, dorénavant, permettraient d'éviter, par ailleurs, un tel scandale ne se reproduise à l'avenir. À ce titre, avec le groupe socialiste auquel je suis apparenté, nous portons une proposition de loi visant à reconnaître les responsabilités de l'État, à indemniser les victimes du chlordécone et à renforcer notre arsenal juridique par la création de crimes d'écocide. Cependant, tant qu'elle ne sera pas votée et appliquée, je crains qu'il ne s'agisse que de simples mots inscrits sur un bout de papier. Ma question est donc simple. Le gouvernement est-il enfin prêt à reconnaître officiellement les responsabilités de l'État dans les préjudices causés par l'utilisation du chlordécone et subis par les populations et par les territoires et les populations de la Guadeloupe et de la Martinique? Et le cas échéant, quelles mesures concrètes et immédiates le gouvernement entend-il prendre afin d'apaiser les douleurs et restaurer la dignité de nos peuples? Merci, monsieur le député, monsieur le ministre. Bien, monsieur le président, monsieur le député, là encore, c'est normal. Et tel sujet ne peut susciter que de la passion. Parce que derrière l'usage de ce produit, d'ailleurs, vous avez dit à l'instant, pour terminer votre propos, vous m'en prendrez si j'ai mal écouté ou entendu, le gouvernement est-il prêt à reconnaître, mieux que le gouvernement, le chef de l'État a reconnu qu'il y avait une faute gravissime. C'est un scandale d'État, ce sont les mots qu'il a utilisés. Et je les reprends. Et les retours d'expérience, oui,
c'est indispensable. On peut pas, lorsqu'on a vécu un tel drame et qu'on est en train de vivre, je crois l'avoir dit très simplement depuis le début de cette audition, surtout tout faire pour, un, rassurer les familles, ne pas laisser une seule personne sur le bord de la route. Et je crois que ce qu'on a mis en place pour les fameux dosages en dessous que pratiqués sur les personnes sont là, sur les fameux laboratoires dont on a parlé, Olivier Servat, sont là, sur l'Observatoire du cancer sont là, sur le fonds d'indemnisation des victimes sont là. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que y a-t-il la formulation de délit d'écocide à mettre en place? Après, les parlementaires peuvent faire des propositions, le législateur peut faire des propositions là-dessus. La difficulté que l'on a, c'est que faut vraiment que l'on soit toujours en capacité, mais ça, le travail parlementaire peut le fournir, d'évaluer sur quoi on évalue ces fameux écocides. Et pour cela, les programmes de recherche sont ceux qui vont vous accompagner. Donc mettons le paquet, oui, sur les programmes de recherche. Soyons exigeants, parce que c'est la moindre des choses. Les programmes sont mobilisés. J'ai déjà parlé de 5,5 millions, et la députée tout à l'heure m'a interrogé sur ces programmes de recherche. Et moi, je souhaite qu'on accélère. Qu'on accélère pour deux types de choses. La première, soit capable de savoir comment on peut chélater ce produit, comment on peut absorber ce produit, pour que la rémanence, donc en clair sa persistance, soit la plus courte possible. Premier programme. Et deuxième programme, c'est comment, sur l'être humain, les conséquences peuvent être le mieux anticipées, de manière à ce qu'on soit en capacité, là encore, d'avoir les traitements qui iront bien, avec des agents masquants. Merci, Monsieur le Ministre. Dernier intervenant pour le groupe GDR, Monsieur Riemann. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Monsieur le Ministre, effectivement, de prime abord, j'aurais les mêmes mots que mon collègue Maillot. Je suis avant tout là en totale solidarité avec ce que traverse comme catastrophe nos frères et sœurs de la Martinique et de la Guadeloupe. Et donc, vos réponses, effectivement, pour reprendre un peu les mots du collègue Nadeau, oui, l'État n'est pas resté sans rien faire. Mais l'État a mis du temps à mettre en ensemble de choses. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est au niveau escompté? La réponse est non. Juste à titre d'exemple, par rapport pour la précision de la pollution au niveau des terres. Vous savez, lorsqu'on regarde le carottage qui a été fait, on voit sur 2000 m², il y a eu trois... les experts expliquaient les prélèvements qui ont été faits insuffisants pour effectivement déterminer exactement, faire une vraie cartographie des sols pollués, à quelle quantité et à quelle profondeur. Donc il y a un manquement là-dessus. On avait évalué et chiffré approximativement les besoins pour être vraiment précis sur la matière. Ensuite, en matière de réparation, vous dites oui que l'État commence à faire des choses avant même qu'il y ait des décisions de justice, contrairement à l'amiante. On dit oui, ok, mais est-ce qu'aujourd'hui les réparations faites, mise en œuvre pour les personnes touchées, sont au niveau escompté? Lorsqu'on discute avec les différentes personnes, la réponse est non. Moi, je pense vraiment aujourd'hui qu'il doit y avoir, si on a vraiment la volonté de sortir par le haut à ce niveau-là, il faudrait effectivement qu'il puisse avoir une zone, j'ai envie de dire, un lieu, un espace de concertation et de discussion au niveau étatique avec les experts des différents territoires pour pouvoir effectivement mettre les mots justes sur chaque chose qui seront mises en exergue. Après, pour finir, il y a eu l'amiante dans l'Hexagone, il y a la chlordécone dans les Antilles, il y a le nucléaire en Polynésie, et monsieur le ministre, il va avoir le mercure en Guyane. Donc, préparez-vous parce que ce n'est pas fini. J'en ai fini. Merci, monsieur le député. Dernière réponse du ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Riemann, vous avez dit quelque chose d'important à mes yeux, c'est la reconnaissance par l'État. Oui. La faute a été reconnue. Vous terminez par le mercure. Oui. Je pense qu'il faut savoir anticiper les choses. Et en tout cas, sur le mercure, notre sensibilisation est très forte. Et j'entends ce message 5/5 que je le reçois pleinement. Et croyez bien que je ne vais pas laisser cela l'être morte. Sur les terres, vous avez raison, on peut aller beaucoup plus loin. Je vous le confirme, je l'avais dit Olivier Servat. S'il faut faire une cartographie plus fine, on le fera. Sur les eaux des bananeraies, c'est la proposition du collègue tout à l'heure, Nadeau, et moi je suis également d'accord avec lui, je l'ai dit également sur l'eau pour les pêcheurs. Il y a des moyens, et s'il en manque, je l'ai d'ailleurs dit dans l'hémicycle, dans le débat que nous avons eu ensemble sur le budget des Outre-mer, eh bien, j'irai me bagarrer pour les arbitrages pour avoir l'argent nécessaire. Parce qu'il n'y a pas de question d'argent lorsqu'il s'agit d'indemnisation liée à un scandale d'État, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Je vais vous dire enfin, si le président m'autorise sur un débat aussi difficile et passionné, on a besoin de tous, ceux qui nous regardent, ceux qui sont là, les élus locaux, tous ces retours d'expérience que nous n'avons pas parce que nous n'avons pas tout. Je voudrais dire que j'ai la chance d'avoir une équipe et en particulier quelqu'un qui a été en charge de ce dossier et qui l'est toujours au niveau de la Direction générale des Outre-mer, qui connaît merveilleusement bien cette question et qui a été certainement la personne qui a pu faire en sorte que, à la fois les utilisateurs, les usagers, les associations, mais également les élus, soient véritable interface. Et il n'est pas un jour où cette question ne se pose pas. On a parlé du SIOM la semaine dernière, elle s'est posée. Et moi, ma porte est ouverte à tout moment pour vos suggestions, pour qu'on progresse ensemble, parce que la voie de la confiance, elle ne pourra se faire qu'entre vous et nous, et d'éviter un nouveau scandale. Donc, je dis au président Riemann que sur le mercure, il soit assuré que je mènerai le combat avec lui. Merci. Bien, mesdames, messieurs les députés, monsieur le ministre, timing parfait, il est 17h59, le débat est clos. Prochaine séance demain à 9h avec les questions orales sans débat. La séance est levée. Bonne soirée.